Bien vu. Ok. Du coup les compos. On est parti sur une compo classico del classico. Je vous l'avais dit. Normalement, il y aura pas. Vous allez pas voir de compos qui sont trop fulgurantes. Pourquoi? Parce que les compos qu'on a vraiment travaillé, les compos sur lesquels on veut vraiment être fort, ça sera pour les playoffs. Tu vois. Là, c'est triste pour Akroma et on est désolé. C'est pas en fait, c'est pas du disrespect avec pour Akroma, tu vois. Mais voilà. Nous, on est 100% en playoffs. On va pas commencer à prendre des risques. À prendre des risques dans les compos, à vouloir trop d'évo et tout, donc du coup on la joue sur ce qui est du basique. Ok, bah let's go, on part directement sur le premier round. Alors qu'est-ce qu'on a sur les compos là? On est sur Ascent, on start en quoi là? On start en attaque? On start en attaque? Ouais, je crois qu'on est en attaque, ouais c'est nous. Bah c'est nous les rouges. Donc, on a un compo full classique et en face il y a double duelliste avec le Phoenix. Attends, je vais juste être sûr de là où je mets ma cam. Attends, le round a commencé. Ah oui, attends mais c'est bon l'overlay. Oh. Oh! Bon, ok. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va agresser le B. Yass qui est déjà. Oh, Yass, il est déjà sur site. Hein. Yass est déjà sur site. Et attention, parce que là, Akroma qui a complètement laissé le site B ouvert. Ils veulent pas enlever le bouton table là ou... Chef! Chef! Je crois qu'il y a que Tidus qui a un shield en face. Et oui, et là, attention. Ok, merci. Merci en plus. Parfait, enfin, ma cam elle est bien placée. Ok, du coup ça va être une retake là, attention, on a pris des petits dégâts pour Yota, on l'a mis à 25 HP, attention parce que Yota il peut être très dangereux hein. Yota on l'a vu ces dernières games, oh, dommage en plus, ouais, qui Yota là qui sont sur une très bonne... Oh attention, Roby, 1v2, okay, Roby 1v2, il pourra pas. J'en parlais, Killu, Yota, ces dernières games qui ont été vraiment exceptionnelles. Ça, ils ont été vraiment super forts les deux, donc attention à pas se faire choc bar. Ouais, complètement. Et là, bah, il y a eu la smoke main. Et c'était déjà 3 sur le site, hein. Ils ont vraiment enclenché sans se retenir. Après, on planche le spike. Est-ce qu'on veut pas force? Route 2. Ah, t'as vu, je te l'ai dit, mon gars. Je te l'ai dit, on a planté le spike. En vrai, on peut se permettre de force. On peut se permettre d'acheter des stingers, de leur courir dessus. Mais attention, parce qu'il y a un outlaw. Ouh là là, le outlaw, il me fait peur. Il est où, Yota? Ok, il est en A, on n'est pas en A. Ouais, c'est ça, un outlaw. C'est rare un peu qu'on. Genre en vrai, l'outlaw, tu vois, c'est pas mal broken là pour break la méta low shield là. Ouais. Et on est tous low shield, oh, oulala. Oh, attention, une IB là, ça commence avec une Ares là, round 2. Ouais. Ça fait mal. Attention, la reveal d'Onibi qui va partir. Oh, on s'est fait reveal, ouais. Et Mikey qui va tomber, Kamik aussi. Oh, ça fait très mal. Hein. Et ça nous fait mal, tu sais pourquoi, Wati? Vas-y, je te laisse expliquer pourquoi. Je pense qu'on a force, on a plus de sous. En général, si on a plus de sous, bah en fait ça snowball en fait. La round 3, on n'a pas de sous. Ça veut dire que là, on commencera à jouer à partir du round 4 là. À part si, non. Tu vois, on arrive à trouver des têtes avec des shérifs. Après oui, on peut trouver des têtes avec des shérifs, après ça se trouve. Hein. Et là... Mais là, la Ares, elle nous a choqué. Hein. Là, la Ares, elle nous a choqué, frère. Hein. Bon, faut se mettre dans la game, faut pas trop estimer les adversaires là. Bon, après, attention, faut pas paniquer, c'est 2 rounds. Hein. Et vous savez, 2 rounds sur Valorant, 2 rounds sur Valorant, c'est rien. Mais, ouais. Il faut pas qu'on commence trop mal, tu vois. Ok, la bonne flash. On va faire reculer Matelian. Matelian. Matelian, ouais. On va bien pomper les strats pour le tournoi Valorant demain, à 16h, les gars. 16h, je serai en live demain, à 16h, les frères, vous ne rêvez pas. Ok, on va reprendre la short là gentiment. On va pas aller contester le main. Là, c'est juste, c'est tout là, nous fait peur là, hein, sur la jet ennemie. En vrai, ça se met, hein. Je te jure, ça se met. Hein. Ça se met, on a 2 shérifs, frère. On a 3 shérifs. En vrai, on est bien. Juste faire attention à cette tourelle là de Killjoy là, qui va nous repérer. Par contre, pourquoi on est tous low comme ça? Ah, je crois qu'on s'est fait tirer dessus dans le main, hein. Non, Elias s'est trompé sur la fiche, c'est à 16h, ça commence à 16h les frères. Ok, ça reveal, on pète le drone, enfin la tourelle. Oh dommage, est-ce que Elias il peut réussir à trouver le kill? Est-ce qu'il peut trouver le kill? Elias fait la bagarre, hein. En vrai, non, mais non, il est en train de bait surtout, j'ai l'impression, Elias. Hein. Il maintient 4 personnes là sur lui. Hein. Vu qu'il y a cette dueliste, oh, on est tellement low, frère. Et là, le problème, c'est qu'ils sont là, ils sont 4 ans. Hein. Ouh là là, bon, allez. Allez, rendez-vous au round d'après. Non mais je veux bien qu'on ait une bonne équipe, mais je vous jure, vu les HP qu'on a et vu qu'ils sont 4 frérot, ouais bah oui. Voilà. Okay. Voilà. Allez, bonne chance mon gars Mikey.
Genre mon gars Camille, en plus il est reveal. Ah, ok. Bah, direction round 4, hein. T'as dit, frérot. Ça. Direction round 4. Je veux bien, on est des bons joueurs, mais frérot, je te jure que tu mets. Et tu mets 5 chal contre 4 silver cousin et content d'HP. Bon, j'abuse peut-être, mais. Oh la comparaison. Bon, allez, ouais. round 4, on a nos armes. Celui-là, par contre, faut vraiment pas le perdre. Celui-là, faut vraiment pas le perdre. Parce que là, on a acheté. Ils ont stacké beaucoup d'argent. Il y a un opérateur sur Yota d'ailleurs. Ouais. Mais là, ils ont beaucoup d'argent, mais on en a plus. Hein. Là, on vient de vraiment tout dépenser. Donc là, faut vraiment pas le perdre celui-là parce que ça peut nous remettre sous l'eau quoi. En fait, le plan c'est si il tire, Mikey il tire, tu vois. En gros, il voulait voir si Sova il allait tirer. Attention, oh, ouh là là. Attention à Yota, il nous fait peur là, il nous fait peur avec son OP. Ouais, Yota qui, on le rappelle, qui sont en très grande forme ces dernières games. Je le rappelle, j'en profite, mais Ascent est une map défensive, tu vois. Aïe, celui-là il fait mal, l'Amperias. Amperias y a dessus, mais heureusement Mikey qui va réussir à revenge. Et ça fait plaisir. C'est une jet pour une jet. Un pour un. Leur jet avait une OP, nous ça nous met bien. Ok, on va péter le boombot de Killjoy, ça a pas touché. Il l'a reculé. Oh, cette smoke elle est intéressante. Ah ouais, là, fait. Il nous force en fait à attendre qu'elle fade pour qu'on puisse cross. Tu sais, au lieu de la mettre dans la porte là. Ouais. Ok, on va smoke là-dedans, on va smoke la haven. Ok, on smoke pas la haven, on smoke au milieu du site. Ouais, on va les flash. La flash qui est bien trouvée. Attention, il y a la molo, il y a le Phoenix qui est rentré sur le site. Attention, Robby qui va réussir à prendre la revenge. 3v2, Magic Robby pour plier un classique, c'est possible. Hein. Il faut le mettre ce round. Ok, ça va pas toucher. La reveal, Robby qui va pas réussir à prendre le kill. Attention, Magic, est-ce qu'il peut en 1v3? Il va en prendre un, il y en a un qui est en bas. Il faut qu'il arrive à prendre le kill en bas. Magic, 15 HP, contre Killu, avec l'opérateur, Magic. Oh non, non, Magic qui réussit à mettre ce 1v3. Incroyable. Et celui-là, il nous fait du bien. On voulait vraiment pas le perdre ce round. Oh putain. Pourquoi j'ai mis chou? Ah oui, c'est Twitch. Et là. Je regarde les danses avec les stars avant de lancer la game. Je l'admets, c'est vrai. Pourquoi Magic il a un bundle cassé là sur sa vandale? Qu'est-ce que tu caches, Magic? Il s'est trompé le frérot. Ok, petit timeout, je pense que c'est nous qui faisons timeout. Parce que là, voilà, je le dis, on n'est pas bien dans nos games là. On n'est pas bien réveillé. Va falloir réveiller la gueule. Est-ce qu'on a de quoi acheter? On n'a pas trop de quoi. Ah, en fait le problème c'est qu'on met le round mais on perd 4 armes sur un round où on achète. C'est-à-dire que là on va être en low buy. Oh, il peut y avoir un opérateur encore dans les mains de Yota en plus. À chaque fois j'ai envie de dire Yopa. C'est vrai que ça se ressemble de fou. Il y a juste une lettre quoi qui... Mais qui le... Il était là sur notre premier roster JL quand même sur Valo. T'as dit il quoi était là quand on a... J'ai dit qu'il était là sur notre premier roster ouais. Valo. Ouais, c'est notre dueliste. D'ailleurs entre temps il a Rota en smoke et là je crois qu'il joue Sentinel. Ouais. D'ailleurs Nate aussi qui est devenu sentinelle, voilà si jamais vous voulez des nouvelles de Nate. Nate maintenant qui est devenu un joueur sentinelle. Les petites reconversions de rôle en vrai. En vrai je pense que pour jouer dueliste, il faut avoir 23 ans max pour être ton prime, tu vois. Ah ouais, plus t'es vieux, plus tu downscale genre. Ouais, franchement oui, attention, il peut rentrer. Oh là là Mikey, heureusement. Oh, okay, Mike. Très solide, on la lui fait pas par contre Yas. Malheureusement, on la lui a fait avec l'opérateur là, Yota. Ah, Yota avec son OP, il nous met des bâtons dans les roues quoi. Mais bon, on va directement enclencher le site avec le drone de Sova. On prend de l'espace, on prend des infos. On blanc la door. Et là, directement, on rentre sur le site. Faut fermer la door. Ok, Robby qui va réussir à trouver un kill à travers la smoke. Il va être un petit peu low HP, mais il a réussi à trouver un kill, c'est l'essentiel. Yota, attention à Yota sur cette hauteur avec l'opérateur. On va le faire reculer avec la tourelle, tu vois la tourelle de Mikey très intelligent. On va le faire reculer, maintenant il faut juste qu'on sécurise le site. 4v4. Okay. Là on a une pop flash là qui peut partir à tout moment, faut juste que quelqu'un aille sur la marche. Personne n'a été reveal, si il a été reveal Camille, attention.
Ok, Yota il va rentrer, il va réussir. Oh là là, il a mis des beaux dégâts. Mais attention, Robby, il y a Robby qui va réussir à prendre le kill sur Onibi. Magic aussi. Magic c'est sa game, Robby. Le triple kill de Robby. 3v1, attention. Il faut qu'on joue ensemble, Kamik. Ouais, Kamik. Coach Diff. Encore une fois, le coach il a mis une pause, frérot. Et derrière, on met le round. Magnifique. Non, mais le coach il est trop fort. Mais frérot, l'humour. Le coach, il a réussi à nous rendre forts, nous, ma team à moi, pour le tournoi Valorant Flashback. Demain, à partir de 16h d'ailleurs, je vous le rappelle. Mais même nous, il a réussi à nous rendre forts, frère. C'est trop énorme. Ça veut dire, imagine, tu lui mets des joueurs comme frère. Bah évidemment, ils vont être trop forts. Et est-ce que du coup, c'est pas une écho pour Akroma là? Ah, je pense qu'il retombe sous l'eau là. Mais après, faire attention, ils ont un ulti de Killjoy. C'est un one-man army? Ouais, c'est un one-man army complètement. Et Kill, je pense que c'est le mec qui kill le plus dans leur compo. Hein. Oh, attention, avec Yota. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont stack le short. Oh, on va faire attention à pas se faire surprendre. On a l'info. Oh là là, ok, on en a pris deux. Yas, encore une fois, Yas Miskin. Ils ont encore pris un. Headshot. Ok, Robby, il est low là, attention. Faut l'aider. On pourra pas, et Mikey sera là pour la revenge. Attention, Mikey, il va tomber. 2v1. Ok, là c'est quoi ça? 2v1. Oh, 2v1, en vrai, ils ont bien géré leur écho. Hein, Récupérer une Vandale, on a le spike. Est-ce qu'on va pas se diriger au short là? Oh, attention. Ah, on va jouer ensemble. Faut juste faire attention à pas se faire surprendre là par le Sova. Est-ce que Onibi ferait pas mieux de save en vrai? On va penser pour le main. On a même si sur Kamik là. Ok, il est pas vu. Ok, il est vu. Il est vu, Magic. Oh là là, mais qu'est-ce qui nous cache? C'est quoi cette flash? La sortie de l'humanité? Qu'est-ce qui nous coupe encore? Oh la smoke, oh putain, mais attends, mais je suis en train de. Ah, mais attends, mais là c'est gagné là. En fait, il peut pas défuse. Bah ouais, il peut pas. Il peut pas parce que là, du coup, il verra rien. Ah, il sera dans l'obscurité là. Bah ouais, mais attends, mais c'est. Non, mais attends, mais je suis en fait, j'apprends trop de trucs là. Là, j'apprends trop de trucs. J'espère que vous aussi. Non, mais là, il est vraiment dans. Ok, 2v1. Impossible. Incroyable. Impossible pour Onibi. Petit frère de Soon, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Bah ouais. je sais pas, je sais très très bien. En plus ils se ressemblent vraiment pas hein. Ouais vraiment. Vraiment. Onibi l'année dernière qui nous a cassé les couilles avec son sauvage justement sur Ascent. Lui et sa Odin de merde là. il voulait pas la lâcher hein. Ouais vraiment. Bon, vraiment. Là on va faire une prise mid là. En gros on va aller chercher la pizzeria, le market et on va enclencher en split B. Okay. Ils smoke le short. On a des armes, ils ont des armes. Attention, enfin, l'opérateur sur Yota. On va prendre le contrôle du mid, j'ai l'impression, pour l'instant. D'ailleurs, le trap de Killjoy n'a pas été mis dans le mid. Hein. Il n'a pas été mis, mais on va. Yas, ah, bah c'est Kamik qui la prend. Ok, ça va. Kamik va pouvoir être revive. Ok, il a été revive justement. Ça aurait fait du mal au mental si jamais c'était Yas qui avait encore pris cette balle. En tout cas, on réussit à. Oh, ok, Robby! Oh là là, heureusement, il a eu un réflexe surhumain, ça a évité le double kill là sur Killu. Oh là là. Yota, il nous fait peur avec son OP. Hein. Ok, reprenne le market tranquillement, on a le contrôle du main. Est-ce qu'ils vont aller jouer le market là? Oh là là, Kamik, il est positionné avec des flashs là. Ok, ça part directement. Ulti Sova, c'est nous, hein. C'est nous, on va toucher, on va réussir à prendre un kill. Malheureusement, ça touchera pas sur Yota. Oh, on a réussi à. On la leak une fois. On les smoke dans le main. On va aller smoke directement dans le market et ils vont pas nous jouer. Non, ils vont essayer, ils vont pas nous jouer, ils ont plus d'argent. Évidemment. Mais par contre, il faut qu'on aille les chercher. Quitte à ce qu'on perde nos armes, faut qu'on aille les chercher dans mon livre. Hein. Je crois qu'on va pas les tenter, hein. Ah ouais? Ah, j'ai pas l'impression, hein. Parce que si on. Nous on avait de quoi rebuy alors que eux non, tu vois. Bon, en tout cas, ça fait nos affaires. On met le quatrième round en attaque. En attaque, les gars, c'est une map défensive. Le quatrième round. Tu me fais kiffer là. Masterclass, bro. Merci, Réfé, t'es trop le goat. C'est vrai. Time out, Akroba. Bah oui, frère. Bah oui, vous nous mettez des routes quand on a pas d'armes. Quand on a des armes, ça fait voilà, voilà. Réel ou pas les mecs? Marquez réel dans le chat si vous trouvez que c'est réel. Parce que moi, pour moi, vraiment, c'est réel ça. Là, tu penses à dit quoi chez Akroma?
Ça dit ouais, je comprends pas. Quand ils avaient pas d'armes, on arrivait à les battre. Et là maintenant ils ont des armes, on n'arrive plus à les battre. Du coup la strat, il faudrait réussir à leur voler leurs armes. Il y a pas d'autre option. Le Onibi par le coach, il dit coach, mon grand frère, il est chez Mandatory, ils sont en playoff. Je dois tout faire pour qu'on batte JL. Je crois que est-ce que non, ils sont qualifiés Mandatory. Ouais, non, c'est Akroma par contre qui eux jouent leur place en playoff, hein. Ah ouais, complètement. En fait, je pense qu'ils sont qualifiés à 100%, tu vois, ils sont à 75%. Qui a MDR? Non, Akroma est à 75%. Et Zerance, ils sont, je crois, un peu moins de 50, tu vois. Est-ce qu'ils voleraient pas la place de Zerance à Akroma si jamais ils gagnent? Bah, je crois que c'est. En fait, c'est niveau calculette, là. En fait, genre, ça se joue à très très peu, tu vois, s'ils win. Non, mais oui, non, mais Yas, le pauvre, il a vraiment une mauvaise game, hein, franchement. Oh putain de merde, ce que j'ai entendu, c'est un verre là. Oh putain de merde, c'est un verre. Ah, fais attention, en vrai, touche à rien. En plus, je suis pieds nus, frère. Oh là là. Mais comment un verre peut se casser sur de la moquette? En plus, ce verre était sur le bord du bureau, ça fait au moins 15 fois que j'ai failli le faire tomber, et ben là, c'était son jour. C'est simple, si on win et que Valiant win, Akroma est out, ok. Attention avec les bouts de verre, tu vas te faire une Doumbé. Ouais, y'a pas de chat dans la pièce. Ok, attention, oh, Yota avec son opérateur, Alhamdoulilah, on l'a vu. Oh là là. Voilà, ça c'est ce qu'il nous fallait, tu vois. Yas, il faut qu'il arrive à trouver des trucs, parce que là franchement il s'est fait synchrone où il se prend des one tap soit à travers les smokes, soit à l'opérateur. Bon, en même temps c'est lui qui rentre. Yonibi, il veut pas la lâcher, ça, Odin, je comprends pas. Okay, nice, ça touchera qu'une fois. Ouh là là. Okay. Mais on plante à un endroit très particulier, tiens, je trouve. Ouais. Oh. Ah, parce qu'on savait qu'il y avait l'ulti qui jouait, du coup on a planté là. Je sais pas. Oh, et on vient counter ult, ça, c'est beau, ça. Ok, va oh bah voilà. Non mais la game de Yas, franchement. C'est terrible, Kamek. Il est resté dans l'ulti, il en avait rien à foutre. Oh là, le vicieux. Et attention parce qu'il est en dessous. Non, il est mort, Kamek. Ah oui, il est mort. Il est resté en dessous, il a pris un kill. Ok, ils ont smoke. Et là, on va devoir tirer à travers. Ouais, ouais, ouais. Allez. Yes. Ouais. Oh là là. Ok. Là, ils avaient mis une smoke. Ça diffusait dans la smoke et du coup, ben, on voyait pas. Donc, il fallait un petit peu tirer au pif. Mais il fallait tirer au pif. Il fallait aussi gérer les mecs qui étaient au-dessus. Non, mais là, tu vois, celle-là, elle fait du bien. Oh là là. Et la pose tactique, vraiment, elle met très, très, très bien. Je sais pas quelle parole le coach, il leur dit, tu vois. Mais j'ai l'impression, genre, il a des jutsu secrets, tu vois. Genre, il est là. Oui, mes amours, voyez mes fils. Vous voyez mes fils. Je vais vous donner les piliers de l'attaque sur Ascent. En fait, il a une manière de parler, je te jure, elle est trop apaisante. Loan, je l'ai vu, frère, quand il jouait. Et je pense qu'il était à 10% de jouer avec nous. Mais genre, il a une vision de jeu, frère, elle est claire, tu vois. Dommage qu'il n'a pas les mécaniques, parce que sinon, il pourrait être joueur pro. En vrai, il a les mécaniques, mais bon, il a pas les mécaniques des... Ah, il y a l'âge aussi, hein. Ah ouais, il est vieux. Downscaling. Ok, ça avait décidé de faire un stack en B, d'ailleurs, je l'ai même pas relevé. Ça avait décidé de faire un stack en B, malheureusement pour eux, ben on est venu en A, du coup on a rien à foutre. Et maintenant, vas-y pour jouer une retake avec cette shérif. Hein. Là, il y a un judge, des shérifs, des singers, là ça va être un petit peu dur pour Akroma. Mais ce qu'on veut là surtout, c'est de ne pas perdre d'argent. Si on peut juste ne pas perdre d'argent, en vrai, c'est bien. Ok, là on va pré-shot la reveal. Et là, normalement, Oh, désolé. Tiens. Oh, Magic, il va réussir à prendre un kill. Attention, Yas. Yas, il va en prendre un, ça va lui permettre de reset son ulti. Oh, Yas, il lui faut 5v3, boum. Et allez, encore un, boum. Oh, dommage. Voilà, le shotgun par contre. C'est un petit peu compliqué, c'est bien parce que Yas, je crois qu'il est parti sans arme. Il a juste mis l'ulti, il a pas donné l'arme, donc c'est pour ça qu'il s'est permis d'aller push. Parce qu'il avait aucune arme à leur donner, même si jamais il mourait. Il génère du bénéfice là de cet ultimate là. Mais il en prend deux, tu vois, c'est la confiance. Oh, je crois que j'ai vu quelque chose. Je vous jure qu'il y a eu une frame où j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que t'as vu? Oh, me dis pas que t'as vu ce que je pense. Je crois, j'ai vu ce que je pense dans les mains d'Yas. Ouais. Oh, attention, aïe. Mais t'as l'œil, hein. Hein, mon gars. T'as l'œil, hein. Mais opérateur en attaque. Est-ce que je crois. Ouais, regarde. Il va se mettre là et il va prendre le duel contre Yota. Contre Yota? Ouais. Oh.
Yota qui va manger ce qu'il inflige depuis le début de la game. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est donc ça que je lui fais depuis tout à l'heure. Attention la strat. Oh là, il est mort. Oh, il est mort. Oh, ok, la téléportation. Ah ouais, là c'est bien. Ouh là là. Une strat très connue avec Phoenix, hein. tu mets ton feu en haut. Non mais comment il est tombé par terre avec le plan de caméra, je le suis. Il est tombé comme Nganou. Masterclass, putain. Ah ouais, non mais il nous fait chier avec son OP, frère. Il nous fait chier avec son OP, donc là du coup je pense que ça va être plutôt Omen qui va rentrer sur les sites. Et Yas derrière avec l'OP, quoique après on peut changer d'arme, hein. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Là faut faire attention au Phoenix à pas être surpris. Parce que là il a vraiment une pose très 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 broken là, le Phoenix. En général tu la check pas. Ouais, tu sais, tu l'as demi-check genre. La Magic, faut juste qu'il smoke là. Faut juste qu'il smoke. Ouais. Ah. Ah. C'est pas fini. C'est pas fini. Putain de merde. Oh. 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 Putain de merde, qu'est-ce qu'il fait? Oh, le 1v1 Killumaki. Oh putain, Killjoy contre Killjoy. Qu'est-ce qu'il nous cache? Mais qu'est-ce qui vient de se passer pendant ce round? Allez, Mikey, mon gars. Oh là là, l'ancien JL contre la nouvelle JL. Oh, oh là là, ben oui. Ben oui, Killy. C'est pour ça qu'on t'a pas signé. Je rigole. Attends, Killy. Ouais. Désolé. Mais t'es trop drôle, sa grand-mère, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais Mikey est juste trop fort. Mikey est juste trop fort, cousin. Mikey est trop fort, par contre. Non, celui-là. Oh la balle mesquine. Oh, je suis mort. Il le sait, il le sait que je l'aime de tout mon cœur. Il le sait, frère. Non, en plus, je l'ai bien sensé pendant le début de la game. Tu te rappelles en early game ou pas? Je disais Yota et Killy, ils sont devenus trop forts et tout, frère. Non, tu te rappelles ou pas? Ils sont vraiment trop forts, tu vois. Même là, allez. Ils sont en 4-2, tu vois, ils sont même score que nous. Genre, c'est vraiment pas par hasard, tu vois. Oui, oui, oui. Attention quand même. Il y a le Sobak qui est au fond du site là. Il faut réussir à chercher ce Sobak. Et ça va donner l'information qu'il envoie le drone. Au moins, on a l'information, on sait qu'il est là. Et Magic. Oh, là, Magic, non, beaucoup trop solide. Attention, Mikey aussi, encore une fois, sur Killy. La nouvelle gêne. Génération. C'est Génération Z ou attends? Non, c'est le truc de Zemmour, ça, je crois. Non, c'est Génération Z. Attends, je sais plus. Génération Z, c'est les jeunes, je crois. Ouais, ouais, non, c'est la nouvelle gêne, quoi. Genre, c'est la génération TikTok, quoi. Ok, ouais. Oui, parce qu'en fait. Les fans de Zemmour, eux, ils ont fait ça aussi. Ils s'appellent Génération Z, mais c'est Génération Zemmour, en gros. Ils ont fait. En vrai, c'est bien trouvé, ça. Ils sont allés bien le chercher. Attention Yota, hein. Attention Yota, attention à ta tête Yota, je te l'ai dit Yota. Je lui ai dit attention. La Vandalka Corp de Magic, pas mal hein, ça a touche hein. Je l'ai dit frère. Voyons s'ils sont là. Et boum, on va aller chercher le dernier. Alors qu'ils ont 40 ans. Bon allez, attention, dernier round avant Bah ouais, mais je sais pas comment appeler ça du coup, si jamais putain en fait si... Bah génération... Nous on est quoi nous? Moi je suis génération Y je crois. Non, on est les 2000. Non, moi je suis pas un 2000 moi. Bah toi t'as un 90, Est-ce que ça reset? Est-ce que ça va revenir au A après pour la prochaine génération? Ou ça devient ZA? Je pense qu'il y aura pas de nouvelle génération. Huit rounds d'affilée, les amis. Je sais pas, il aura dit quoi le coach hein. On perdait 3-0, il y a eu timeout de l'OA. Ah non, là, dans ton gros cranium, Yota, là, frère. Hop, et en plus, il se débarrasse de l'opérateur, il a... Oh, il avait acheté une vandale. J'achète une deuxième. Bah oui, frère, en fait, il avait acheté une vandale, il voulait juste prendre le pli sur Yota, frère. Et il revient avec la vandale. Non, mais il l'a jeté dans le vide comme John Wick, genre Zarma, il l'avait planqué... Alors qu'est-ce qu'on se cache là? Faut faire attention à pas se faire surprendre par ce Phoenix là qui est caché. Mais on a Roby très 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 malin qui va aller directement aller le fouiller. Mais Roby quand même il a un très 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 gros game sense là. En fait je m'en rends compte frère depuis là. Non mais désolé, je ramène tout à moi là avec mon tournoi Valorant de merde, je suis désolé. Mais t'as vu depuis que je joue IGL, je me rends compte à quel point c'est dur de regarder la map, d'envoyer ses sorts. Et genre Roby, c'est là que je me rends encore plus compte à quel point il est fort cousin. Genre parce que pour faire l'école, regarder la map, avoir la lucidité et en même temps faire des kills derrière cousin, genre c'est vraiment un truc qui est trop dur à faire. Et je m'en étais jamais rendu compte.
Allez, Yass, il lui faut cette dopamine, cette sensation de headshot là. Attention, attention, Metellian, attention, Metellian, il a été flash en main, du coup on l'a vu, Kanik beaucoup trop solide, qui va réussir à prendre le kill sur Metellian. Plus que 10 secondes, Spike posé. Ok, on vient péter la tourelle, là on se doute pas du tout du même main. 5v3, et là Thomas, là ça va surprendre parce que personne ne le regarde Magic, personne ne le regarde. Mais moi je sais pas où il est, ah oui il est là, ah oui. Boum. 3-9. 3-9. Yass récupère 3 kills. T'as vu, Yass, c'est comme Reyna un peu. T'as vu quand il fait un kill, genre il est en mode oh. Et là t'as vu, genre t'as un petit cooldown, genre ça descend, tu vois ou pas, ouais. Ou pas. Ouais, je vois. Cette sensation, ma gueule, genre ouais. Si ça reset pas, ouais. il est pas satisfait. T'as vu, attends, mais est-ce qu'il avait un OP Yota? Est-ce qu'on sait s'il avait un OP? Vous sauriez me dire ou pas? Non, je crois pas qu'il avait d'OP, il avait pas de sous. Parce que s'il avait un OP et que t'as vu, genre il lui a pris le truc pour le calmer à l'OP, lui dire écoute, c'est moi le meilleur opérateur de la ligue, frère. Non mais Robbie, non mais frère. Non mais des mecs ont critiqué Robbie, je suis sérieux. Des mecs étaient là, ouais, Robbie, c'est pas l'IGL que vous pensez, il est pas si fort que ça, je sais pas quoi, nanana. Eh frérot, je vous jure, et ceux qui ont critiqué un jour ou l'autre Robbie, comment on vous baise, c'est trop une dinguerie, comment on vous baise ça. Oh là là, Robbie, mon gars. Le meilleur capitaine de cette putain de ligue. Je le pense de tout mon cœur. Attention, maintenant on est en défense. Ils choisissent d'attaquer le A, mais il y a Mikey. Mikey, il est là. Oh là là, Mikey, la line-up pour la double door, c'est pas mal. Okay, on va chercher le Jane. Ah non, c'est un chroma là. Ah oui, trop de balle. J'ai pas fait le switch up. Ça va être une retake classique. Ouais, ouais. On est super fort pour les retakes sur 1. Hein. À chaque fois, on se regroupe bien comme il faut. On perd personne. Et on exec quoi. Ok, on vient toucher. On arrive ici par. Attention. Oula, flash, mais Magic a réussi à prendre le kill malgré la flash. Double kill de Magic. Calme, toi, c'est un temps pour suivre. Attention, Yass, il va tomber. Yass, il va tomber. 4v3, il faut les récupérer. Oui, attention, Yota avec son truc de merde. Il va faire cap. Magic avec le couteau. Il a plus de balles dans son pistolet. Il a mis un coup de couteau, Thomas. Il avait plus de balles. Il en train de le teabag. Arrête Magic, Abdel, tu vas le tuer, arrête. Schloss le plus excité, il cavale vers le roto. Mais oui, en fait Magic, je crois qu'il avait plus de balles, hein, parce que là, regarde, ça se met des grosses rafales. Wesh, on est à Londres, frérot, il a sorti un Schloss quand même. Oh là là là, et en plus il a teabag, je sais plus, c'était qui, c'était Onibi ou c'était Yota? C'était forcément les deux, puisque c'était les deux qui étaient en bas. C'était Yota, putain. Bon, attention à pas rester, à pas se déconcentrer. Est-ce qu'on peut pas lui rendre l'appareil là? Il a une arrest ou pas? Non, il a pas d'arrest, il a une Stinger. Ok, directement à l'arrivée, on prend la formation, on sait qu'ils sont b-main, hein. Oh, Robbie. Non mais Robbie, Robin des Bois des temps modernes. Bon bah en tout cas c'est Freeze, mais c'est un moment idéal pour vous dire les gars, n'hésitez pas à interagir avec le hashtag JobLife sur Twitter les gars. Ça fait déjà deux fois, il reste potentiellement deux games hein Wachi. Les gars n'hésitez pas, ça reste plus qu'un moment parfait pour voilà, interagir avec la game, ce que vous en pensez, du score et du coup de couteau de Magic aussi, n'hésitez pas à nous dire. En fait c'est pour ça aussi les frères que souvent je vous parle, je vous dis donner de la force aux joueurs parce que je vous jure que, en fait par exemple, vous voyez, à la fois, ça va être Magic qui va faire une mauvaise game, ou ça peut être Robbie qui fait une mauvaise game, ça peut être Mikey qui fait une mauvaise game. Mais en gros, les gars, genre, ça peut arriver à absolument tout le monde d'avoir un moment où voilà, t'es un petit peu moins fort et tout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des changements dans l'équipe? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire qu'il pue la merde? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que juste c'est un humain, que des fois, ben, on est pas régulier, tu vois, des fois ça peut arriver de se louper sur une game, cousin. Et ben voilà, ça arrive, frère. Et là Magic, je suis content parce qu'il vous le montre. Parce que frérot, Magic. Et le meilleur smoker de cette putain de ligue. Et Mikey qui vient prendre le triple kill avec son arme qui pue des pieds là. Sa petite bulldog. D'ailleurs il a mon skin. Mikey, fais plaisir. Tu nous rates de là-haut mon frère Mikey. On t'embrasse, on pense à toi. Allez, on va le chercher là, le Tidus. Attention, Tidus, il peut être dangereux. Pas du tout. Continue de le taquer dessus quoi. Mais Magic. Ben oui, mais bien sûr que non. Tu vas rien faire avec ton petit classique de petit con là. Et Magic, il est en mode toxico. Là, il est en mode toxique. Il est en mode toxique, wow. Frère. Wow, mauvais terme. Embarrassing. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, Magic. Là, il est en mode.
peut-être il y a eu, peut-être ça a chauffé sur Twitter, je sais pas, il y a eu des pics. En tout cas, des choses à prouver là, ça fait plaisir. Il y a Chroma, pourtant, on le voit, ils sont en 4-2, frère. Tu vois, ils sont en 4-2, ils sont exactement comme nous. Même ouais. Si je ne compte pas, écoutez, vous faites ce que vous voulez de cette information. Moi, personnellement, je compte pas la défaite de la semaine dernière. Voilà, attrapez ma veste si vous voulez. Et moi, la semaine dernière, je la compte pas. Donc, même bon, on est quand même en 4-2 comme eux, quoi. Parce que la semaine dernière, la honte de l'e-sport, ça. La honte de l'e-sport. Ouais, c'est parce qu'on jouait les playoffs aussi, genre. Non, justement, on était persuadés qu'on était qualifiés en playoffs alors qu'on l'était pas. Ouais, du coup, C'est pour ça qu'on était en mode, bon, ben, on s'en bat les couilles. Mais non, et heureusement, on a gagné la game après. Enfin, c'est pas la semaine dernière, c'est la game d'avant, attention, parce qu'ils ont des armes. Attention, parce qu'ils ont des armes. Magic se repositionne. Et Yass, il y a pas de petit shield. Avec une autre lot, hein. Ah, mais il y a pas de petit shield, malheureusement. Ah, ils ont des gros shields. Mais attention, la tête, hein, c'est toujours possible. Après, c'est notre bonus, hein. C'est notre bonus, regarde, on a encore une USP. Enfin, non, un ghost, pardon. On a une bulldog, une guardian, un outlaw. Tu vois, on fait tomber une arme sur Yota. Vraiment pas plus, hein. Après, si on peut mettre le 12ème round d'affilée, franchement, ça pourrait être pas mal, tu vois. 12ème round d'affilée. Mais Allez, Yass. Ça me semble dur, hein. C'est que t'as envie de la trouver, cette tête, mon pote. Ça me semble quand même dur d'aller chercher ce 12ème round d'affilée, vu l'équipe qu'on a. Il est bien low, là. Il est bien low, là. Il a touché une balle. Ouais, il a touché une balle. Et on recule parfaitement, tu vois. Oh, Yass. Oh, dommage. Bon, il a mis Matédian très très low. Hein. En vrai, il en met deux low, Yass. Ouais. Prends le replay maintenant, ok. Attends, c'est en direct là ? Ouais, ok. Oh la double ligne. Oh là là. Boum. Oh là là, tourelle. Oh non, il va revenir. Il me dit pas qu'il va revenir. Mais il est revenu, mais je sais pas où, Ginus. Mais où est-ce que tu vas ? Y'a deux de tes mates qui meurent devant toi. Tu retournes, frère. La tourelle automatique, quoi. De Job Life. J'avais pas celle-là, tu vois. Frère, on est sur MW2, frère. On a mis une tour automatique. Ah oui, mais il va safe, Tilu. Ça l'a posé fixe BP. Ah oui, c'est la tour 11 rounds d'affilée. Ça met la tourelle. Et c'est le 12ème round d'affilée, les amis, qui viennent être remportés par Job Life. Là, on leur met l'équivalent de 12-0, quoi. On n'a pas perdu un round depuis. Mais on n'avait pas d'armes. En fait, vraiment, les gars, depuis la pause de Loan, frère. Depuis la pause de Loan, que vous vous rendez compte. S'il vous plaît, regardez les 3 premiers rounds. Rendez-vous compte comment on était trop nuls. Je vous jure que les 3 premiers rounds, on était trop nuls. Je n'osais pas le dire. Je voulais pas le dire parce que je me suis dit, voilà, sinon, si même moi je commence à dire ça, les viewers ils vont se permettre. Mais les 3 premiers rounds, on a été trop gaze. Ça ? On était trop gaze et je sais pas ce qu'il aura dit, Loan. Après premier round, on l'a perdu, on a forcé le deuxième et oui. Le troisième, on était aussi dans le mal. Donc forcément, oui. Tu vois, ça aidait pas, tu vois. Bon, en tout cas, on a même pas été nuls sur le deuxième parce qu'en vrai, on se prend une reveal et on se fait choc à la Ares. Mais bon. Exactement, ouais. Oui, en vrai, je retire. Attention, on utilise Metalian, voilà. Mais on va le chercher, on sait qu'il est fridge. Est-ce qu'il va tenter de la. Ok, on va juste se repositionner, Magic, on n'est pas greedy. Oh, Yass est mort. Bah, qu'est-ce qui lui arrive à tonton Yass? Oh oui, ça va pas être le boombot. C'est le boombot, ça c'est masterclass. En vrai, on a une bonne lecture, c'est cool. À chaque fois, on arrive à repositionner le stuff. Okay, ils sont deux au fond. Roby qui va réussir à prendre un kill, mais qui va tomber malheureusement. Mikey avec Magic. Attention. Oh là là, c'est un petit peu trop compliqué. Le crosshair était pas au bon endroit, mais Kamik est en vie. On a un Kamik. Le meilleur joueur de ce split est en vie, mesdames et messieurs. Vous l'avez élu avec toute la communauté de toutes les communautés. Meilleur joueur de ce split pour le moment. Attention, c'est bel et bien Thomas, lui. Attention Thomas. Et en plus, ils sont pas. Ah. Oh, c'est dommage. Franchement, belle ligne cassée de Killu. Ah. Oh, j'aime trop. Oh là, j'aime il trop. Vient lui twerker dessus, mais frérot. Il a twerké sur Kamik. Il a regardé le score hein, ou pas là, je suis pas sûr. Dommage. En vrai la ligne cassée de Killu, elle est bien. Soit normalement, t'es full à gauche, soit t'es full à droite, tu vois. Et lui, il s'est foutu en plein milieu. Ouais. Du coup, le crosshair, tu l'attends pas forcément ici. Mais c'est pas grave. En vrai, on était toujours en bonus, en vrai y'a pas d'OP sur Yass. Oh, timeout Akroma. Killu, tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire là actuellement sur Kamik? Bah coach, je sais pas, enfin voilà, je voulais twerker. Bon, en tout cas, petit timeout. Ne le dis pas, Watien. Qu'est-ce que je vais dire? Ne le dis pas, oui, réagis sur hashtag Job Life. Hein. Non, il m'en reste un, je vais bien le conserver pour la game 2. Okay. Oh regarde, tu fly au milieu de l'écran. Mais c'est un nounours frère, c'est pas un castor, par pitié, Wachi. Oui. Mais c'est un nounours, ça c'est un nounours frère. Oui. Mais je trouve t'enlèves les lunettes, c'est un peu un mémère un peu.
En mode choupi choupi. Genre t'as le même t-shirt là, tu lui rajoutes la ceinture et tu sais les deux gants là que t'as acheté tout à l'heure là avec le petit collier. Et ça, c'est toi hein. Merci Dabs. Avec ton bas gris. Merci, là, merci merde. Dabs. Merci mon frère. Dams. Dams. Ah pardon. Et c'est reparti directement pour le 17ème round. Alors qu'est-ce qu'on va faire là, côté Akroma? Ils ont des armes, on a des armes. On va reveal le short, on a la prise d'info. Oh, elle est belle la reveal short hein, parce que là ils y sont, faut y aller. Vas-y tire Roby. Oh, et on va prendre directement l'info sur Killjoy qui va se repositionner. Ah, moi, le problème c'est qu'on a la reveal 1 mais on a pas l'info sur les deux shorts. Ça qui me pose souci, attention Mikey. Oh là là, la grenade anti-rush, la téléportation de Omen, mais Magic est juste trop fort. Le double kill de Magic sur Ronny Bitidus. Magic qui vient encore une fois montrer que c'est bel et bien lui le meilleur duelliste de la ligue. En tout cas, c'est pas Mikey et Roby les meilleurs lurkers parce qu'ils viennent de se faire exploser le cranium par Matelian. Dommage. On a la bombe là, côté Magic. Et là, ils vont devoir se battre en face. Hein. Mais on a Yas qui est très très bien positionné. Et là, Magic, il est très 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 bien. Et là, directement. Salam alaikum. C'est une victoire. Pour la première game, mesdames et messieurs, est sécurisée. 12-4. On a mis 12 rounds d'affilée. Ouais. C'est bien ça, Thomas. Là, c'est complètement ce que t'es en train de dire, mon pote. Attends, est-ce que c'était pas leur map? Déjà, 1-0 là. Je crois que c'était leur map en plus. Hein. Non, ça c'était notre map. C'était notre map et là je crois qu'on va jouer sur Bind. Non, on va jouer sur Lotus. Mais Lotus, frérot, Lotus. On start en attaque? On start. Attends, je vais te dire ça. Parce que si on start en attaque, Thomas, je te le dis, c'est du poulet. Lotus, on start en attaque. Oh là 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 là, maman m'a béni. Lohan il a dit 0-3, tactique pause, into 13-4. No, pas de problème, guys. Une petite augmentation de salaire, s'il vous plaît. Ah mais il avait spoil, puis heureusement j'ai pas ouvert le message. Ah oui, parce qu'il a dit ça à 21h59. Franchement ça fait plaisir, Loan, don't forget, real, tournament is tomorrow, at 4. Le mec en a rien à foutre, merci Dams. Merci mon frère Dams. Bon Thomas, des petits mots à dire sur cette game? Bah écoute, franchement, en fait le truc c'est que là on perd, le quatrième round, on en parlera plus tard, mais on perd les trois premiers rounds d'affilée, on perd le gun round, ça pour moi c'est 50-50 entre guillemets, tu vois, alors voilà, tout le monde est un petit peu pareil. Vu qu'on a planté le spike, on cherche à forcer, on se prend la RS de Onibi, on se fait atomiser, du coup troisième round on en écho, donc on fait trois rounds en fait sans armes. On fait trois rounds sans armes, en comptant le gun round quoi. Coach il fait une pause. Ouais. On met deux rounds d'affilée. Après, on perd un round, je crois, mais c'est le round où on est en bonus. On met le round bonus. Attends, je me rappelle plus. On met pas le troisième, on met le quatrième round. Non, le. Je te parle en changement de side, vers la fin, là, quand il y a eu 12-4. On a complètement mis le bonus. Hein. Ouais, on a mis le bonus, on a perdu le round d'armée. Et après, on finit. Non, franchement, c'était une belle game. Je m'attendais à un match plus serré, franchement, contre Akroma. Mais c'est la première, et attention, parce que on l'a vu contre Zerans, par exemple. Zerans, on les a complètement stomp sur Bind. On les a complètement stomp sur Bind. Il y avait 12-1, 13-1, je crois, ou 13-2. Et au final, le BO s'est relevé beaucoup plus serré que prévu. Hein. Ah ouais. Tu vois, donc ça veut rien dire. Faut pas trop se fier à ça. La première game. Non mais le coup de couteau par contre de Magic. Non mais Magic, il voulait vraiment l'assassiner. Hein. En tout cas, merci à vous les viewers. Ouais, complètement. Non, j'aimerais bien vous dire quelque chose, mais je pense que vous l'avez tous capté, je peux pas le dire. De quoi? Mais faites-le. Bah, il me reste une fois, je vais pas l'utiliser là. Non, moi en fait, j'aime bien quand je vois, tu sais, les matrixés de GTA, les Ultra, les matrixés de LoL, tu vois, en fait, au final, il y a tout le monde qui est main dans la main derrière la job life, tu vois. Et ça, tu vois, ça c'est beau, ça. Ça fait plaisir. Y a vraiment que toi qui gâche tout. Bon, voilà, t'es au cast avec nous, malheureusement. Mais en dehors de ça, sinon, ça aurait été une soirée vraiment parfaite pour l'instant, en tout cas, puisqu'on a gagné la première game. Ah, smahli Roman Reigns, le réfé, avec ton collier, tes gants. Mesdames et messieurs. Mario voice is in my head, they count me, they understand, they talk to me. Binet, qu'est-ce que... They talk to me, ouais.
Alors attends, là on a le récap, 13-4. Ah ouais, 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 Magic qui a fait une très 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 grosse game, 22-5. Ouais, 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 frère, frère. Et ça c'est pas mal ça pour le KDA. 22-5 ? Attends, c'est son KDA ça ? Ah, 22 kills frère, pour 5 ! Tu meurs ! Quoi ? Ah, frérot, game exceptionnel là, je crois, de Magic. Ah, je crois que t'as oublié qu'on a mis 12 rounds d'affilée, je crois que Magic il est pas mort beaucoup là, sur cette game. Mais attends, mais c'est dinguerie, c'est un gros vert par contre. Ça veut dire là, il y a eu 5 fois où il est mort. Uniquement 5. C'est terrible. C'est terrible, frère. Yaskamik, bottom frag, le monde est à l'envers. Bah écoute, en fait, de toute façon, là, frérot, c'était la game de Magic. Tu vois, il y a toujours un de nos joueurs qui brille. Là, cette game, c'était pour Magic. Cette game, c'était pour Magic. Franchement, on l'a vu de nos yeux, Yass, hein, franchement. Là, tu vois le scoreboard, tu te dis peut-être, ouais, franchement, Yass, bof et tout. On l'a vu, frérot. Miskin, frère, 60% de ses morts, c'est quand tu as l'opérateur parce qu'il rentre. Il rentre. Ben donc du coup c'est lui qui se prend la première balle, tu vois. Lui il avance, il se dit ouais. il se dit je vais rentrer quoi. Il se dit ben je vais rentrer, Yota il a un opérateur, il le one tap quoi. Donc c'est pour ça. Mais de toute façon c'est une équipe. De toute façon c'est une équipe les gars. On vous l'a toujours dit, je le revendique, je le répète, je le clame haut et fort. La force de notre équipe c'est le collectif. C'est pas les individualités de mettre 5 mecs qui sont forts et les faire jouer ensemble, ça marche pas. Les compos Avengers, ça marche pas. Hein. Là, c'est vraiment le collectif, tu vois, il y a pas. En vrai, sur le papier, tu sais, on n'a pas de superstar dans l'équipe. En vrai, à part Kamik, mais Kamik, c'est. Ouais, voilà, c'est Fnatic Tier. Et encore Kamik, rappelez-vous, en début de saison, il y a des qui étaient en mode, ouais, mais Kamik, c'était qu'un sub pour Fnatic, machin, je sais pas quoi, tu vois. Donc, oui, c'est pour oui, ça. Oui, oui, on n'a pas de superstar. Donc, on s'en fout. En vrai, on s'en fout des KDA. À la fin, on gagne la game. À la fin, on gagne la game, frérot. Peut-être que là, Kamik, il finit bottom frag, mais vous savez pas la plus-value qu'il a eu en vocal. Ça se trouve, son stuff, il a été incroyable parce qu'il a fait des calls de foot, tu vois. On sait pas. D'ailleurs, je vous invite, les gars, à regarder les voice comms. Regardez, tu sais quoi, on va regarder. Moi, je veux qu'on regarde le début des voice comms de la dernière fois. C'est sur quelle chaîne? Sur Job Life? C'est sur la chaîne Job Life eSport. Parce que c'est vraiment, vraiment trop intéressant. Mais regardez, des fois, on peut se permettre là, tant que la game elle redémarre. Et je vous jure, c'est trop trop bien. Ah putain, attendez. Ouais, il faut que je les mute. Il faut que je les mute. Regardez la com comme elle est exceptionnelle, frère, dans l'équipe. C'est trop incroyable, ça se voit qu'ils s'aiment. Ouais, c'est contre MDR en plus, c'est quand on perd. T'as Wachi, c'était là toi, il reste. C'est la dernière fois que tu me reverras, IRL, cousin. Oui, parce que tu pars aux States. Ouais, je pars aux States, là, du 11 au 18. Et putain, bah, j'avais jamais regardé les têtes que je fais en fait quand je casse, mais frère, je suis trop impliqué, sa mère. Ça, t'es trop un œil. En plus, avec ton gros sweat, ça, j'ai kiffé. Jump, pick stairs. En vrai, on se rend pas compte, mais ça, la com en vrai, elle est trop trop clean. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas trop, qui se rendent pas bien compte, mais je vous jure comment la com elle est clean, frère. En fait, c'est fluide tout le temps. J'espère qu'on comprend comme ça de beurre. I'm only 7. I can flash 7 for you. Just get close, get close. Demain? Ouais. I'm ready to flash. Tell me flash. Ah oui, attaque à 16h sur. Ouais. Ok, ok. Trop vite. Attends, mais y'a pas eu les voice comms sur contre Zerance? Attends, c'est pas dans celle-là? Moi, j'aimerais bien avoir celle sur contre Zerance, ça, c'est en mandatory. Non, c'est la rediff, ça. Attends, là il y a eu Zerance. Ah oui, donc c'est celle-là. J'ai même pas mis de pouce bleu. Parce que c'est vraiment notre match référence celui-là, ça. Vous savez que je pense qu'on reverra plus Bind avant un moment. Hein. Pendant les playoffs, je pense qu'on la reverra. Bon, donc du coup, on va les revoir bientôt, parce que les playoffs c'est bientôt. Mais d'ailleurs, il y a un truc à noter. Est-ce que t'as déjà vu une map de Breeze? Enfin, une game de Breeze? Non, frère. Personne des Breeze. Hein. Que ça soit en VCT ou en VRL, frère, je n'ai pas vu une seule fois la map Breeze. Attends, laisse-moi écouter. Deep left.
Non, oui, en tout cas, nous on l'a pas vu quoi. Ah, en VCT, si, si, ok, my bad. Je crois qu'en VRL y a pas eu. Hein. Non, mais Mandatory qui joue Brise, frère, la pire map. Oh là là. Mais c'est trop. Ah, mais ça, on leur a vraiment mis une fessée à Zerance. Hein. C'est trop dingue comme on leur a mis une fessée. Hein. Moi je Magic, il était dégoûté, vous l'avez entendu. Ah, écoutez comment il le dit, Magic. Il était dégoûté, frère. En plus, Rex n'avait pas du tout un HP. Ah, bah c'était fait heal, merde. I'm taking the wall. Overlap. Let me too. Well done. Oh la la. One more jungle. Guard left side. Kalang. I'll ulti. Wait. I'm putting away, man. Heaven one. Hookah. Long last. Pick him, Mike. Just don't die. Ah, j'aime trop leur réaction. Eh, hey, vous. En fait, c'est avec les voice coms que vraiment vous vous rendez compte à quel point l'équipe est. J'aurais mouillé le maillot, frère. Je vous jure. Fight Hookah. Je jure que c'est pas juste des joueurs, ils sont là, ils jouent parce que vas-y. Tu vois. C'est pas un MO3 Si, c'est un MO3 là, il manque. La game elle reprend dans une minute, une minute 30, je pense. Vous inquiétez pas, je surveille. Je regarde les voice coms pendant la pause. Oh non, là c'est trop une dinguerie, sa mère. Oh, l'ulti qui a sauvé la vie à Yas, hein. Je l'avais pas remarqué. Listen, go Lamps, Race, and you're gonna wingman like this. Yeah. Wingman now? Make noise, Cammy, make noise. Use your mosh pit, maybe. Bench, you can ulti, bench. Bench left? Yes. Bench. Ulti, yeah. Ulti. Take your time, Kamik. Non, je vous jure, c'est trop, c'est, en fait c'est trop insane là, d'entendre les coms. Putain, en plus, mon casquette, je vais écouter la fin quand on gagne. Let's fucking go, boys. Non, je les aime trop. Je les aime trop. Non, franchement, cette game, elle était vraiment mémorable. Y'a rien ouais, à dire. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, la première, on la stompe, après ça se calme, après ceci, après cela, tu vois. Genre, c'est ça, ouais. Ça qui a rendu le truc un petit peu fou, tu vois. Un petit peu fou, on peut. Mais attention à ce que ça refasse pas comme contre Zerance, tu vois. Parce que là, la première game, on la stompe, ça veut pas dire que la celle d'après, ça va être des free win, hein. Ok, non. Attends, je peux aller dans le canal. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à manger. Installez-vous confortablement devant ces deuxième games parce que ça s'annonce vraiment incroyable. Ah, j'espère, frère, j'espère. Et franchement, moi je te le dis, cousin. Mais là, tu vois, sur Lotus, moi, tout ce que je veux, c'est que Roby, il est une Odin, il se mette dans le tri. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je t'ai dit. Wesh, tu mets trop bien le bruit de la Odin là, refais. Bah. Wesh, putain, ça se voit, tu connais les line-up et tout, toi. Oh
là, là ça se voyait dans ta tête, genre tu t'imaginais vraiment avec une batteuse. Là je l'ai vu dans ton regard. Soit tu t'imaginais en tant que Soulax Prime ou je sais pas quoi ma gueule, mais... Soulax t'as jamais eu de batteuse mon frère. Oh fuck frère, oh faudrait trop que Riz il ait une batteuse. Ah oui d'accord, lance-roquette. Le minigun de Riz Chrono sa mère. Mais ma gueule, mais là l'illégal tu le wettes mais normal. C'est qu'en plus sur Flashland il y avait au bout d'un moment il y avait des mecs qui avaient des batteuses, je crois que c'est Walid il avait une batteuse frère. Là je te parle sérieux, je crois Walid sur Flashland à l'époque il jouait avec une batteuse frère. Mais pourquoi Walid il avait un minigun? Ouais je sais plus pourquoi frère. Je me rappelle ouais, je crois que c'était James, je sais plus, on jouait ensemble, il avait une batteuse frère. Non, c'était pas une Gusenberg, c'était vraiment les. Tu sais, les trucs avec les. Même je me rappelle là, tu sais, il y a le gros chargeur en carré là, comme ça là. Ah oui, une M249 quoi. Ouais, un truc comme ça, frère. Non, c'était pas une Thompson, c'était vraiment une mitrailleuse, genre une M60, ouais. Ok, on voit les compos, les amis. On voit les compos, du coup, qu'est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on est sur une compo classique? Killjoy, Gecko, Raze, Omen, Sova. On est sur une compo classique, j'ai pas eu le temps de voir celle de Akroma par contre. J'ai pas eu le temps non plus, ouais. Ouais. Et on va le voir là tout de suite. On va le voir directement. Bon, pour tous ceux qui arriveront entre temps, les gars, on ressort d'une première win contre Akroma. On est en 1-0 pour l'instant sur ce BO3. Et on va directement partir sur la deuxième game. Oh, ils jouent double smoke. En gros, ils ont Viper au lieu de Gecko. Si j'ai pas de bêtises, ouais, c'est ça. Ouais. Je préfère Gecko, hein. Après, Gecko, c'est très rare, je trouve, sur le dessus. Enfin, genre. C'est pas si joué que ça, tu vois, dans la ligue. Je crois qu'on est les seuls, hein. Ouais, Camille qui est vraiment le seul joueur qui joue Gecko de la ligue, je crois. Allez, mesdames et messieurs, Accro Match Up Live, c'est parti. Gunrun, on commence en attaque, on a directement pris l'information sur Killu. J'ai l'impression qu'on veut agresser le side B. En vrai, que c'est là, on prépare la rotation. Ouais, on va peut-être potentiel. On peut peut-être faire une fake. Non, ok, on les a vus, Magic, heureusement, avec son classique. Probablement, le duel était vraiment pas évident, mais il a réussi à le mettre. On va récupérer la flash pour Gecko. Ça va accélérer, ça va rentrer sur le site. Attention, oulala, Gecko, il a réussi à passer. Oh, Camille qui passe, hein. Camille qui est passé, mais j'ai peur. Et la Mikey. J'ai peur que du coup, on ait pas l'information sur le Omen là. Ok, on flash. On l'a l'information, Mikey qui va rentrer avec le clic droit et Camille qui sera là pour la revenge. C'est très bien joué, 3v2. 3v2, attention, au gun round c'est pas gagné d'avance, hein. Il y a deux shérifs Et le shérif, les gars, ça fait très très mal. 50 de le corps, 2 balles de shérif, ça tue quelqu'un. Est-ce qu'on a des low shield? Ouais, on a un petit low shield sur Yas. Ça peut faire la différence. Ouais, on est reparti en A. Oh là là, c'est très 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 bien lui. Mais attends, ça, mais mais même moi je l'avais pas vu alors que. On va gagner. Ouais, Roby, le cerveau de l'équipe. Qu'est-ce qu'il manigance? Oh non, derrière Roby. Non, par pitié, Roby, regarde derrière. Ok, quoique. Ami qui l'a pris. Oh là, on va chercher l'info. Attention, on l'a touché. Oh là là, mais il a touché. Oh là là, la synergie est parfaite là. Hein. Attention derrière, et c'est le premier round pour Job Live. Allez. Franchement, un petit 2-0, on se met en confiance avant les playoffs. Ça, c'est ce qu'on veut, tu vois. Ça, c'est ce qu'on veut, les mecs. Franchement, si on arrive à remporter nos games, encore une fois, je le répète, hein. Mais là, franchement, on est même pas sur nos compos prime, hein. Là, on n'est pas sur nos compo prime, les mecs, puisqu'on a gagné nos compo prime pour les playoffs. Donc, si jamais on arrive à win, on est très content. Là, vraiment, on joue avec des trucs qu'on a déjà sortis dans les premières games sur Lotus. C'est des choses qu'on maîtrise. Et franchement, c'est pas mal. Genre, t'as vu quand tu rentres dans une cage avec Khabib, genre, tu t'adaptes au style de jeu de Khabib. Bah, là, c'est un peu pareil avec Job Life. Oh, t'as pas le choix de t'adapter, hein, avec Khabib dans une cage, mon frère. T'as pas le choix. Et c'est ce qu'on voit là avec Akroma, là. Ils ont pas le choix de. Ils ont stack 1, c'est parfait ça pour nous. Attention, on le sait pas encore, nous. Voilà, on a un Wallhack. Mais Oh, on revient. Oh non. Ouais, on revient. Et en plus, frérot, t'as vu notre bonus, comment il pue la merde. On a juste acheté une Phantom Ayas, une Guardian, et on a quand même un pistolet, on a même pas acheté de Spectre. Oh, Kamik, il faut qu'il le dise. Vas-y, Kamik. Les gars, je crois qu'il y a personne sur C, revenez s'il vous plaît. Les gars, je crois. Ouais, on revient, c'est bon, il l'a dit. Incroyable. Bah oui. Bah let's go, c'est un stack, c'est. Cherche.
Il a un nom, je crois. Viens, on l'appelle Randy. Non. On l'appelle comment? Je sais pas, on l'appelle. Aziz. Pourquoi tout le monde dit Aziz? On l'appelle Sinjed. Ouais, Aziz. Nick the Bee, on l'appelle Aziz. Et pourquoi tout le monde qui dit Aziz? Je crois que c'est Scream, il l'appelle Aziz. Ah ouais? Ouais. Eh ben non, il s'appelle Altego, le bec trop gris. Mais Nick the Bee, on l'appelle Aziz ou Mechoué? Tu préfères quoi? On va l'appeler Altego. Attention, Kamik, il va réussir à en prendre un, Kamik. Il va réussir à en prendre deux. Attention, on a l'information. On sait que les trois ils sont là, de toute façon, ça va, le spike va exploser, frérot. Le spike va exploser, super. On récupère ce round et en plus, on claque quasiment rien d'argent, frère. Je te l'ai dit, parce que là, on était tous au pistolet. Non, mais là, la prise d'information de Kamik et le double kill, vraiment, il a hard carry ce round, faut le dire. Pas mal du tout. Là, en plus, il grid pas. On leur donne pas parce que même s'il avait pris, s'il avait pris le kill, tu vois, ils auraient pu jouer. Genre, si ça donne une orbe, quoi, en gros, tu vois, une orbe d'ulti. Donc, du coup, Kamik qui vraiment ne se laisse pas tuer, c'est parfait. Et ce qui nous permet d'acheter les fantômes et les vandales là pour le troisième round. Hein. On a. Regardez, on est sous fantôme. Ah oh. On est sous fantôme Vandal. Vandal, pardon, pas Vandal. On est sous fantôme Vandal et en plus, on aura des sous pour le round d'après. Et là, ça aura ouvert Rota instant en face. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement là. Ok, directement Aziz qui part avec Mechoué. Non, je rigole. Ok, il va ramener directement l'ultimate. Ok, le spike est planté. Le spike est planté pour l'instant, on a encore 5v5. Attention, Tidus qui va réussir à prendre un kill. Yass et Yantik qui vont tomber. On a encore 3. Robby qui va en prendre un. Robby va en prendre un. 3v4, ça se met. Hein. Ça se met 3v4. C'est l'ulti de Kamik qui a été lancé. Tidus qui va essayer de toucher le spike. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment. On va aller faire tomber les deux. Attention, il a lâché. Attention, 2v2. Attention. 2v2 1v1. Oh, c'est le 1v1. Oh, c'est le 1v1, c'est Kamik. Oh, Kamik il a la line-up. À droite. Oh non. Yo, il sait pas jouer à grand chose. La smoke qui fade au mauvais timing. Ouais, on pensait. Non, justement, la smoke qui fade c'est une bonne chose, mais on pensait qu'il était en train de diffuse. Et finalement, il était pas en train de diffuse en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oh là, c'est tellement dommage parce qu'en fait, on avait mal démarré le round. Mais finalement, c'était bien rattrapé. Bon, ça reste un bon bonus. Ça reste un bon bonus, mais bon, vu qu'on avait des vandales, ça veut dire qu'on aurait vraiment pu les snowball bien comme il faut, tu vois. Dernier joueur en vie. Ok, let's go. Franchement, Frenchement, c'est dommage. On a encore des armes, c'est pas mal du tout, hein. Frenchement, on l'aurait mis ce round, frérot. Il l'aurait mis, on aurait été trop content. Quand je dis il, je parle de nous, hein. Oui, bien sûr. Enfin, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On a Killjack qui est sur. Oh, salam alaikum, Yota! Ben oui! Comment il va, mon gâté? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu au quartier, mon gâté! Ben oui! J'ai gagné le pick avec Killjack, je comprends pas. Ben oui, attends, t'as tout réel. Ça fait nos affaires directement. On va planter la bombe. Ah, mais je crois qu'il avait pas de stuff. Et c'est Selem là, Killjack. Attends, mais pourquoi Yota il a 2400 gold sur lui là? Il avait pas acheté? Ah, je crois que. Je sais pas, peut-être il économise. Oh yes, oh la petite ligne de petite pute. Oh la petite ligne de petite pute, mais ça a été vu, ça a été vu par Aurélien là. Oh la grenade. Attention, on va dash out Magic, malheureusement il pourra pas survivre à cette grenade, mais Yas qui va faire le triple kill. Yas à 10 HP, attention dans ton dos Yas. Oh bah oui. Et directement, et là c'est parfait, Super, et on va mettre ce round. Et on les renvoie au fond du gouffre à Chromain. Pas une pépette à se mettre dans les poches. J'ai pas compris pourquoi t'as dit Aurélien au milieu du round. J'ai dit Aurélien? Ouais. Ah, je crois que je voulais dire Matelian, je voulais dire, je crois. Oui, bah oui, sûrement. Ok, en tout cas, on met notre 5ème round. Enfin, là, c'est un round 5ème round, c'est parfait. Non, c'est parce que je suis 3 fonds dedans, les mecs. Ok, oui, Kidjoy qui avait pas acheté, hein. Et du coup, ça lui permet d'acheter une Guardian. Est-ce que c'est worth quand tu t'en penses quoi, frère? Bro, je pense pas un round pour ça. Ah, ça fait mal tout simplement. Ouh, attention. Oh là là, Yota qui se fait reveal. Là, faire attention à pas être trop gourmand. Oh, ils overrota beaucoup en face. Hein. Si on arrive à les lire. Ouais, si coach il le sait affaires. Ça au bout d'un moment.
Après regarde, le spike il est encore derrière. On a pas hard commit là sur ce site, attention. Attention la guardia. Oh là 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 là, mais Camille frère, il est vraiment juste trop fort sa mère. Par contre attention parce que est-ce qu'il faut pas qu'on se dise OK, on a tué Killjoy, on va pouvoir aller en C. En vrai là, ils sont encore les 4. Ok oui, et là j'ai l'impression, vu ce que Robbie est en train de faire là, je pense que ça va terminer sur A là, directement on lance l'initiative. Ok, la smoke qui fade. Et là je pense qu'on va accélérer hein. On va accélérer, ça fait complètement nos affaires en face, je sais pas ce qui se passe dans leur cerveau. Oula, attention, attention, Camille qui a pas se faire surprendre. Je sais même pas, ça aurait pas pu être une bonne... Mais pardon. Je sais pas frère, c'est trop. C'est trop. Genre c'est trop. 1, 2, 3, viva l'Algérie, je sais pas ma gueule. Il est trop fort. Ah, ce mec n'était pas sup Fnatic pour rien je pense les mecs. Mais non mais Camille, les gars, attention Camille, ça veut rien dire hein. Vous croyez que c'est Lionel Messi Camille? Eh, c'était un sub chez Fnatic les gars. Ça veut pas dire qu'il est fort, hein. Je crois qu'il... Il attend le yo-yo. Oh là là, mais bien sûr que oui, on a recruté Lionel Messi. Non, je le jure, on a recruté Lionel Messi. Oh, frérot. Non, mais là, c'est trop. Franchement, ces deux balles, là... Le canal, mais... Ok, time out à chroma, je pense, hein. Time out à chroma, bah oui. Je suppose. Tu penses le coach à chroma, il dit quoi? Oui, mais tu vois, Kilu, tu twerk sur Camille, regarde ce qu'il nous met maintenant. Ah oui, tu crois que t'es Drake? Drake et Rihanna. Work. Et t'es ben banana. T'es de mettre pa. Tu vois toujours un Capricorne. Mais au bout d'un moment, faut. Mais en fait, j'ai demandé à Thibaut des Volvic Race parce que c'est moins calorique. Et j'ai même pas des trucs pendant les casses, tu vois. Et il me fait comme ramener des Capricorne, il veut me faire grossir. Je pense pas que c'est les Capricorne, hein. Mais oui, ah, je pense que ça m'aide pas, quoi. En tout cas, on part directement sur le 6ème round, et là on est bien, là, 4 rounds d'affilée. C'est un peu le point fort de Lotus, les gars, sur attaque. Enfin, on attaque sur Lotus. C'est voilà, en général, quand tu mets un round, t'en mets 4. Hein. T'en mets 4. Et on le voit là, c'est très 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 bien joué, très très bien pensé. Et là, y'a personne sur B là. Hein. Les ombres bougent. Attention, ça rentre. Attention, ça rentre avec Lucie de Yaz. Bah oui, mais la tourelle, là, elle casse les couilles, la tourelle. Là, on est comme point virgule, frère, dans le mid sur Ascent. On est en mode bon, la tourelle, on fait quoi? On la tire, on tire pas dessus. Cherche. Ok, finalement. En fait, on a claqué l'ulti, on les a fait reculer. Alors, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se trame? Mais là, on a un Yaz qui est infiltré, qui est caché. Hein. Va falloir aller le. Le truc, c'est qu'ils ont des armes. Hein. Ils ont des armes. Il y a l'ulti sur Ray, justement, c'est là où j'allais en venir. Attention. Yaz qui va réussir à prendre le kill. Et Metelian qui arrivera pas à récupérer le kill avec l'ulti. Mais malheureusement, derrière, il pourra en faire deux. Yaz qui va être destiné à la mort. La grenade qui ne touchera pas. Oh, attention, Yaz! Encore une fois, le triple kill de Yaz. Oh non, dommage. Il m'a calmé. Il m'a calmé sec, Metelian là. Metelian. Ils ont eu le site hyper rapidement. On était tous stuck du côté A là. Ouais, c'est dur à défendre le B. Franchement, ça a été bien joué. Bien joué de la part d'un chroma, franchement. Ils ont réussi. Oh là là, Yaz qui arrive à faire une triplette, frère. La décale large, en plus, elle est bonne la décale large. Hein. Ouais. Franchement, elle est bonne. S'il a pas 20 HP, je pense qu'elle passe parce qu'il prend une balle random dans le corps. Après, ils sont toujours un peu dans le rouge, hein, économiquement parlant, franchement. Oh, la grenade directement qui part. Ok, pour l'instant on est chill, on joue des faux. Ça fait nos affaires. Est-ce qu'on se réorienterait passé là, comme on l'a fait depuis le début de cette game? C'est quoi cette smoke de Golemon là qu'il y avait là, main
Main A, c'est pour contrôler le A. En gros, ils smoke directement pour que... Pour pas que... Et ils nous pêchent. Ouais, pour que nous on avance. C'est nous qui l'avons mis la smoke, je crois. Bah, la smoke entre les deux trucs, là. La smoke vraiment dans la porte, là, ici, là. Je passe sur ma souris. Ouais, je vois ta souris. C'est littéralement pour nous empêcher d'avancer, tu vois. Mais c'est nous qui l'avons mis. Parce qu'en gros, ils envoient la grenade. Et ça met une one way pour eux, en gros. C'est nous qui l'avons mis. Non, c'est eux. Non, c'est eux. Okay, okay. Non, on a mis une smoke entre les deux. Ah oui, nous elles sont rouges, nos smokes. Oui, ok, d'accord, nous elles sont rouges, nos smokes. Bien envoyé, ça, Wati. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, on vient smoke directement au-dessus. Et là, ça commence à rota en face. Hein. Nous, ça fait nos affaires. On a un Kamik directement qui a un. En fait, on est en train d'envoyer du stuff. On fait Zarma, on est en train de faire une Feka. Oh là, on ouvre la door. Et là, on ouvre la door. Et là, ça rota. Et là, ça va rota. On est tranquille. Et là directement. Allez, faut y aller. Oh oui, c'est bien ce qu'on a fait. On fait reculer Lutilus. Et là, ça nous a offert le site C complètement free. On va prendre l'information avec Luti. On touchera personne parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Oh là là, Luti qui part. Hop. Il le fait revenir. Il le fait revenir à la maison. Attention, Lutilus, la flash là qui part directement pour reprendre le CT. Ok, ils reprennent. On va récupérer tranquillement son stuff avec Gecko. C'est broken. Là, bonne chance à Chroma. Franchement, c'est dur hein. C'est dur pour eux de rentrer, on a la double ligne dans la smoke, ça rentrer par l'arrière par contre hein. Ça rentre par l'arrière. Oh Roby, heureusement qu'il va réussir à faire le kill, Onibi qui va se faire flash, Kame qui va réussir à prendre un kill, Yas aussi, Yas qui va tomber. Et Roby qui sera là pour terminer le round. Non Kamik c'est trop frère. Thomas, tu l'as trouvé où ce joueur frère? Frérot, en fait il les empêche de rentrer. Ensuite il met l'ulti. Ensuite il les flash dans des moments qui sont cruciaux frère. Genre vraiment la flash je crois qu'elle touche 2 ou 3 personnes frérot. Frère elle est pixel. Genre Thomas, la flash est pixel. Genre c'est trop. Je sais pas ce qu'il lui a dit le one pour réussir à le faire venir chez nous ça. Frère, Kamik, il utilise 3 fois son stuff avec Gecko dans le round. Est-ce que tu t'en rends compte? Et je vous le dis, je réinsiste hein. Mais c'est aussi grâce à vous qu'on a des joueurs comme Kamik hein. Hop là, première flash. Parce que si vous étiez pas là les frères, et Kamik serait pas venu chez nous, tu vois, on pourrait avoir une équipe avec le même budget, avec genre si jamais y a pas d'ultra, y a pas d'engouement comme ce que vous apportez, ben des joueurs comme Kamik serait jamais venu chez nous. Ok, donc là on a là. Donc merci à vous les frères. On a juste joué l'orbe là pour Yas. Et là t'as vu la smoke là, en gros c'est pour nous empêcher d'avancer, tu vois, c'est une one way. Non mais Lohan frère il a dû prendre l'otage des gens de la famille de Kamik frère pour lui dire ouais viens jouer en VRL française alors qu'il pouvait aller dans le jeu. Hey, il était VCT ready frère, il a dû prendre en otage toute sa famille frère, il va les libérer à la fin des deux splits. attention Mikey malheureusement qui s'est fait un peu exploser là. Ici. Ok Roby directement la reveal pour prendre l'information sur le site. Ok, on ouvre la door, est-ce que ça va finir sur B? Ça a l'air de finir sur B là, sur le round. Et Mikey, et Magic directement qui prend. Oh, Magic il est rentré, Roby qui va réussir à prendre le kill sur Killu. Oh là, ça va mourir aussi, 3v4. Oh non, attention Yota. Attention Yota, au contact classique, et ça va quand même claquer l'ultime malgré l'écho. Non, voilà, je ne pense pas. On envoie Altego planté sur le C là. Et là Magic, attention. Pas se louper, mais mon frère. Ouais, ça se loupe pas, Magic, frère, Magic est juste trop fort aujourd'hui. Une pas deux. Ok, on va récupérer le stuff. Ok, on a une Vandal, une Guardian contre 3 Vandales. Ok, Yas qui bait parfaitement. Oh Magic, oh là, travers le mur, il a réussi à prendre le kill. Ben oui, la double ligne. C'est impossible pour Akroma de réussir à passer. Magnifique round qui vient d'être mis encore une fois pour nous. 2-6. Là, le Sova de chez Akroma, il Onibi, je pense qu'il pète un plomb là. Il regarde le mur, il fait mais c'est quoi ça? C'est du placo? Je comprends pas. le mur. Aïe. Mikey qui a il a fait un spray, il s'est dit bonne chance. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. Oh. Que 30 secondes. Ouais. Le classique au corps à corps, ça pour moi ça fait mal hein. Ouais, c'est un pompe hein. Franchement, c'est un pompe. Ouais. Ouais. Et là, Tidus s'est dit, ben vas-y, j'y vais. Encore un timeout, mais ça y est, frère. Attends, mais ils ont pas déjà fait un timeout? Oui, mais en gros, on va encore reparler de Killu en gros, qui a twerké la game d'avant là, en gros. Ça... Mais attends, mais d'abord, c'est un timeout par side. Tu peux pas faire 2 timeouts comme ça sur le même side dedans? Tu peux? Ouais.
Ah, je croyais que c'était un timeout en attaque, un timeout en défense. T'as deux timeouts par game. Ouais, mais je croyais que c'était. Je crois qu'ils étaient split. Tu vois, en haut, t'as deux boules. T'es mal, là, il approche sa deuxième boule. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est pas ce que je dis, hein. Deux, quand tu fais. Ok. Alhamdoulilah, ça fait nos affaires parce que, bah, du coup, bah, deuxième phase de la game. S'ils y arrivent, en tout cas, ils auront pas d'aide du coach. Franchement, je veux pas m'avancer, je veux pas faire le malin, franchement, mais je vais faire le malin. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est en train de les fumer alors que c'est une game où on en a rien à foutre. Voilà, je vous le dis. Non, mais je le dis, les gars. Et on se fera pas remonter. Voilà, vous me direz, ouais, Thomas, tu nous portes là, non. Wow. Mais c'est ça le pire. Mais c'est la vérité. T'as des couilles, parce que je te connais. L'année dernière, t'aurais jamais eu les couilles de faire ça. Et frère, en même temps, on a rien à foutre de cette game. Cousin, quoi qu'il arrive, on est en playoff. Ça fait deux semaines. Ça, t'as des couilles. Là, on joue les doigts dans le nez, frère. Oh là là, la première flash qui part. Mais c'est trop n'importe quoi, Gecko. Faut en parler de ce personnage. Attention. Camille qui se fait push. Et voilà. Mais push de quoi? Et Camille qui va prendre le kill sur Matelian. Qui va prendre son matelas et ma... Ah oui. Je sais pas. En même temps, Camille qui est trop fort par rapport à Matelian, les mecs. On en a rien à foutre. On sait très bien que l'écart de niveau, il est complètement. Non, mais Camille, c'est qu'un sub de chef Natic, quoi. Pour nous faire gagner la VRL. Ah. Et Camille qui les voit side pick, genre vraiment il. Voilà. Non mais tu t'en. Non mais Thomas, faut en parler de Gecko ça. Camille, c'est le seul mec qui joue Gecko de la ligue, je crois. Et frère, genre tous les rounds, il utilise son stuff au moins 3 fois. Genre il envoie son Pokémon, il le récupère. Il le renvoie, il le récupère. Et à chaque spell qu'il met, ça prend une pause. Genre là, sa flash, ça permet quoi? Elle permet de prendre le send. Regarde, oh là regarde, là, je regarde même pas le round. Mikey qui nous fait une... une kamique, frère. Il a peur de rien. Et là, directement dans la faute. Mais mama. Mikey. Est-ce que Mikey va le faire? Bien sûr que oui. Oh, attention, Yota. Attention. On va gagner le round. Thomas, je te dis rien. Allez, allez, de toute façon, on va gagner le round, frère. Oula. 1v2, Roby. Ok, Roby 1v1. Il y a le site Killjoy. Faut aller se repositionner. Oh là là, on vient péter le. Oh là là. Ok, on a l'ulti. On vient tag la Viper. Et là, oh là là, il y en a mis. Ah, on a pas mis le round. Aïe, c'est terrible. Ah ouais? Ah merde, bon je vais regarder, les runes, les gars. Tu joues à quoi, gros? Mais tu joues à quoi, Thomas? Ok, on va recommencer à casse normalement, les mecs. Il était là, il guettait le plafond du dos, je sais pas ce que tu faisais, Thomas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, merde, hein. Et là, on a failli le mettre, hein. On a vraiment failli le mettre là. Il l'avait tagué et tout, mais. Ah, mais frère, franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder ce round, s'il te plaît? Franchement, regarde. J'ai pas besoin de regarder là, on a 5 ulti, on est full stuff. Eh ma gueule, t'es CEO, regarde le round, s'il te plaît, par contre. Oh. You are the CEO, I'm not the CEO, bro. Casse les couilles, frère, y'a même pas de suspense, Zubi, y'a même pas de suspense. Allez, là, on va se repositionner directement. C'est bon, j'arrête. Allez, attention, pour l'instant on a envie d'attaquer le C, le B, j'ai l'impression. Mais attention parce qu'ils sont 3 en B, hein. Ils sont 3 en B, les frères. Quoique Sova repart, mais est-ce que... En fait, le fait d'avoir 5 ulti, les gars, pour jouer le B, c'est vraiment bien, parce que C'est tout clos, c'est tout serré. Oh attention, oh, ça peut nous faire chier là. Yas qui va rentrer directement avec son ultimate, il va se faire fumer par le boombot de Matelian. Il a pris poison Viper, il a pris la grenade, il a tout pris je crois. Bah vraiment l'entrée était très difficile là. Ouais, après on a encore l'ulti killer, on a encore l'ulti Sova les gars. Il y a l'ulti sur Kamik aussi. Bon l'ulti Omen il est bien mais c'est pas non plus, je le dis à chaque fois. C'est pas l'ulti du siècle, c'est vraiment situationnel, ça dépend des rotas, des trucs, des machins. Ok, faire attention à Yota, on envoie directement le Pokémon là pour plante de manière très safe. Ça serait bien qu'on claque pas les 4 cultures en même temps, les 5 cultures en même temps sur le même route, tu vois. C'est parti directement, faire attention à la smoke, elle ne fade pas parce qu'il y a Yota juste derrière. Et directement on va rester dans le main, hein. On va pas aller contester le site.
Vous devriez courir. Ok, le team Mikey qui va nous faire gagner du temps. Oh là là, Ruby qui va réussir à prendre un kill sur Yota. Attention, on va claquer l'ulti de Kamiko. Si, est-ce qu'on a réussi à le catch-up? On n'a pas réussi à le catch-up, attention à l'ulti raise. Attention à l'ulti raise, attention à l'ulti raise. Là, l'ulti raise Mikey qui a réussi à prendre le kill en l'air avec un spray. Et un double kill de Magic. Non, il arrivera à en faire que malheureusement. 3v2, 3v1, qui lui est tout seul. Oula, oula, oula. Oh là là, cette balle, franchement, c'est. Attention, on va pas en parler. On va pas en parler. Oh là là, Mikey. Mikey, non mais par pitié. Mais par pitié frère, quand il joue chez nous, qui lui il mettait pas des MS comme ça frère. Rappelez-vous quand il piquait Jet, il mettait des sprays. Et les balles elles rentraient pas frère. Non mais Yas qui... Oh ouais, non mais Yas il a tout pris frère. Yas il a tout pris miskin. Non mais Matelian qui double sa chain in pour péter juste le confinement en vrai. Non en vrai c'était... Boom. Boom. Kill lui, switch up, boom. Non mais regardez les MS, regardez les MS, regardez les MS. Là c'est c'est Sacha le MS Ripou là frère c'est ah ouais lâche pas les blagues réfé le minigun de Riz. Ah je crois que c'est moi qui l'a ah ouais je voulais te niquer au final je me suis baisé putain j'ai rien compris. Ok on a encore l'ulti sur Roby, on a encore l'ulti sur sur Roman. Pour l'instant, on veut prendre l'information. On veut prendre l'information. En vrai, c'est hyper intéressant de regarder la map. Hein. Je vous incite aussi les viewers à regarder la map si vous voulez vous instruire sur le gameplay des pros. C'est pas mal. Essayez de comprendre ce qu'ils essayent de faire. Et là je pense qu'on va retourner C. Tu vois, comme on essaie de temporiser, on va ouvrir la door. Ça va les forcer à rota. C'est ce qu'on cherche à faire, je pense. On vient péter la door B aussi pour orienter. Mais en face, ils commencent à s'en douter. Ouais, attention à la one way, ils le savent, faut rentrer fort, on va mettre la grenade pour dézoner, un double satchel de Yas directement qui va se placer. Kamik le 1v1 qui sera pas perdu par Kamik, bien évidemment. On sait, Kamik est trop fort et en plus, il y avait qu'un shérif dans les mains de Tidus. C'est dur pour Akroma, il y a très peu d'armes dans leurs mains là. Le spike il est planté en plus pour le send, c'est-à-dire qu'on va jouer. Ouais. On va juste se mettre là et c'est impossible pour eux de diffuser normalement si la monnaie n'est pas trop. Exactement, cousin. Oh! Oulala, Yas qui s'est pris une busket. Aïe, la busket. Non, mais vraiment, Yas, là, c'est de gay, frère. Il se prend que des dagris. Okay. Et nous, c'est un autre avantage là. Ouais, attention à la flash, attention à la flash. Moqueton, on a juste à tirer. Oh, il 2-1, Mikey va en prendre un. Mikey va en prendre un, il arrive à en prendre un deuxième. Attention à l'ulti 2, l'ulti sauvage qui a été claqué. Et on va sécuriser ce round, mesdames et messieurs. 3-8 pour nous. L'avant-dernier round de ce side attack, il faut en mettre le plus possible parce que Lotus c'est une map attack par contre. Hein. Donc attention, attention à pas nous réjouir trop vite, les gars. Lotus est une map attack, Lotus est une map snowball. Il y a un monde où c'est vraiment plus dur que prévu. Je vous le dis. Moi, Thomas. Je te regarde droit dans les yeux, mon pote, je mets ma main sur ton épaule et je te dis, y a pas de monde. Y a pas de monde, poteau. Faut quand même faire attention, quoi. Poteau, on est autant fort en attaque qu'en défense avec notre compo. Roby, il est monstrueux niveau tri avec son Sova. Le petit SO à la K-Corp. Je sais pas quel joueur a acheté le bundle. Côté, il doit se frotter les mains. Ou oh, attention, Kamik qui va réussir à prendre le double kill de Kamik. Encore une fois, beaucoup trop fort. Allo, la terre est ronde, Kamik. Kamik qui joue au sous, M-Lap tous les jours. Oh l'ulti. Attends, mais il a mis 4 ulti dans la game, frère Kamik. Mais Kamik, il a un ulti par round, c'est n'importe quoi. Ça joue les orbes à la perfection, il fait. Et c'est rentré, Yas qui est rentré, Yas qui va réussir à prendre le kill. Attention, sur le BP, il y a encore quelqu'un, il va réussir à prendre Kamik. Mais malheureusement, on inhibit tout seul avec sa Odin. Eh oui, tu vas faire quoi avec ta Odin? Tu vas acheter quoi avec ta Odin? Attention. Hein, tu vas acheter le round avec ta Odin? Tu vas. Hein, qu'est-ce qu'il va acheter avec sa Odin, le Sova? Oula. Attention, là, attention, parce qu'il en a pris un, mais il a un HP. Hein. Il n'y a plus qu'un HP. Il a pas marché sur une épine. Avec ce petit HP flottant. Là. Attention, la reveal, bah oui, mais il a un HP, bro. Il a un HP. Hein. Un HP sur Onibi, bah oui, mon gâté. Bah 9-3, encore une fois. C'est sécurisé exactement comme sur Ascent. Exactement comme sur Ascent, les frères.
3-9, non mais Camille, non mais frère, c'est vraiment, vous rendez pas compte, en fait, ils sont, il y a un mec là, lui il est au milieu, il est en tir croisé, il arrive à prendre les deux, je ne comprends pas frère, vraiment je ne comprends pas. Il a reçu son maillot à l'envers ou pas, Camille? Allez, Godroot, c'est parti, cette fois c'est nous qui sommes en défense. J'ai fait une blague random. Je sais pas, j'ai rigolé par politesse. J'ai vraiment fait exprès de faire une blague de merde qui avait aucun sens et t'as rigolé comme si... Mais t'es trop un bon. C'était pour, par politesse, frère. Ouais, t'es, je suis choc barre, frère. 440 d'ACS. Je sais pas ce que c'est, mais je sais que la stade elle est stratosphérique. Je vous parle sérieux. C'est une stade de combat, ma gueule. Il est en train de. Attends, en gros, tu veux que je te parle français? Ouais. Il est en train d'oblitérer la game, Thomas. Il est en train d'oblitérer la game, ma gueule. T'as vu, quand je fais une MVP 30 kills et que j'ai 250 de score, je suis ouais. Heureux, tu vois. Ok. 400, on est en 9 okay, points. Ok, je me rends compte. Il a 4.6 de KDA, Starfall. Ouais, je suis prêt, on est sur Kalo, frère. C'est Monsieur le V12 avec son gros shotgun, même là. Même Skyros, il avait pas ce KDA, frère. Ah non, avez... Skyros aussi, frère. Ouais, je parle bien de Skyros. Bah non, mais Skyros, genre, c'est un streamer, il est trop divertissant, mais c'est pas un... C'était pas un pro de Call of à l'époque, il était trop drôle, wow, juste. Il était trop fort. Oui, mais genre, Monsieur le V12, il était plus fort que Skyros, frère. En vrai? Bah, en vrai! Ah, pour moi, il y a un match, ça. Mais non! Bah, si tu veux, on en parle après la game, mais on là. On en parlera après la game, si tu veux, frère. En train de se parler. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Attends. Akroma là qui cherche à rentrer sur ce site. Ah mais là c'est compliqué, tu vois, ils ont pas un gecko comme nous qui ouais. Facilite la ouais, tâche. Ouais ouais, attention, on va réussir à prendre le double kill. On va faire tomber Killu et Matelian. Et hey, encore Roby. Roby qui sera là, beaucoup trop solide Roby aujourd'hui. Roby beaucoup trop solide aujourd'hui et malheureusement qui va tomber. Attention à la collate. Oh, il a fait une collate. Yas qui était très très low HP. Malheureusement qu'il s'est pris la balle et oh magic. 1v2 magic. Oh, il a un bon timing magic. Plus que 10 secondes. Oh, il a cancel. Oh dommage, Magic qui arrivera pas à le cancel. Non. T'as été très bien réagi de la part de Onibi qui a très vite cancel et Omen qui a intervenu quoi. Oh la flash. Les flashs en pixel en train de rentrer sur le site, c'était... Franchement, je te le dis, y'a R. Là, vraiment, tout le monde peut le dire, y'a R, c'est au calme. Là, regarde, t'as le petit Pikachu qui lui fonce dessus, voilà, il change pas le crosshair, c'est bien joué à lui, tu vois. Ok, bon, on dort déco. Mais les échos, ça se met. Les échos, ça se met, les frères. Ok, oui. On est stack sur le C. Ils sont où, les adversaires, Thomas? Non, mais il est en 26, frère. Et pour ça, ils sont en C. Ok, la petite reveal. Les reveals, ça se récupère automatiquement, on est d'accord? Ouais. Sur Sova, ouais. C'est au bout de 30 secondes. Et ça touchera personne, alhamdoulilah. Oh là là. Et là, directement, là, ça va partir. Là, sur une smoke défensive. Oh putain, ouais, ils ont vu. C'est la merde. C'est la merde, on se casse. En vrai, si on rota vite, nous aussi. Regarde, ils arrêtent de courir et nous on court. Non mais... J'aimerais pas... En fait, je me dis... Qu'est-ce qu'il a dit, tu penses, au Nibi quand il a vu 4 mecs avec son drone? Il a dit... Oh. Capture général. Ouverture du port. Ah pardon, allez, on va péter là-dedans, on va rentrer sur A. Oh là là, Kame qui veut faire tomber Killu. Et Killu qui a fait une bulldog, hein. Et ça fait du bien, frérot. Attends, mais on a encore pris quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Kame qui met des headshots? Je vous l'ai dit que les échos ça se mettait. Et là, on est 5v2. On a récupéré une bulldog, il n'y en a pas une deuxième à récupérer, non? Attends, faut qu'on open la door, là ça commence à devenir compliqué. Oh, on a réussi à allumer des petits dégâts, je crois qu'on a réussi à allumer des petits dégâts. Y'a ce qui va tomber, Mikey aussi. 3v2, attention quand même. Parce que Kami qui avait une bulldog et malheureusement Kami qui est mort. Dommage. En vrai, dommage. Excellent écho, tu vois. Après, excellent écho. On fait tomber des armes, c'est ça notre avantage toujours. Mais là, Kami qui trouve un double headshot, mais. Putain, mais j'aurais bien aimé le voir, le double shot là, frère. Ah là, on peut le dire, Camille, qu'il a du feu sur les mains. Hein. Camille qui est pas seulement. Hein. Il s'est rentré comme le GG, frère. Et je te jure, ça a cassé la porte, frère. C'est rentré comme des ouf. Ils étaient choqués. Bon, attention, on a des armes maintenant. Ils sont encore en bonus à Chroma. Franchement, moi j'aurais été à Chroma, je crois que j'aurais bail. Hein. Non, en général, tu peux pas partir là-dessus. Enfin, tu peux pas. 9-5, c'est pas. C'est pas assez. Ah, c'est pas...
Tu joues encore le plan de jeu classique, tu vois, sur le... Ouais, je vois. Par contre, là, s'il y a 10 ou 11... Oh, dommage, la flash qui va pas toucher, mais Kamik qui va réussir à en prendre encore une fois Kamik. Kamik qui est vraiment trop fort aujourd'hui, Kamik qui est vraiment trop fort, le double kill de Kamik. Le double kill de Kamik. Le triple kill de Kamik. Non, qu'est dommage. Dommage. Aïe, 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 aïe. 2v3, ils ont récupéré deux vandales. Attention, attention, il peut nous mettre mal ce round là, ça peut nous renvoyer en économie. Ok, on hold le A dès qu'on va entendre. Est-ce qu'on le joue ou est-ce qu'on save mon frère Wachi? Je pense on va le jouer, je pense. Ça m'étonnerait que Roby. Il est inaudible quand même. Hein. 2v3, pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas le jouer, tu vois. Ah, la double ligne a fait peur. Voilà, la double ligne a fait peur. De toute façon, on a un drone, on a tout ce qu'il faut normalement. Faire attention Mikey à pas se faire surprendre. Et là, je pense qu'on va reprendre le CT à 2 là. Ah, va falloir être bon. Va falloir drone, va falloir reveal, va falloir utiliser du stuff. Okay, et là, on a ce qu'il faut là. Là, Mikey, c'est que s'il cross, là, c'est la merde. Ouais, il faut attendre le bait un petit peu là-bas. Oh, attention, attention. Allez, Mikey, je te sens bien, mon gars. Oh, Mikey. Oh, dommage. Oh, aïe. Oh, là, c'est dommage. Et ça nous renvoie en écho. Ça nous renvoie en écho, les frères. Oh, calme. Franchement, il y a R. On a voulu être agressif là sur le send. Oh là là. Si derrière il arrive à faire. En fait, si Kamik il arrive à faire le troisième kill là, frère. Ouais, mais ça, c'est depuis le rework. Avant, il n'y avait pas le petit corner pour se cacher, non? Non, ok, oui, c'est depuis le rework. C'est pour ça, frère. En fait, attends, tu parles de quel corner? Attends, à la porte. Genre là, ici. Parce que là, il a. Celui-là, il y était. Ah ouais? Ouais, il y était. En fait, frère, moi j'étais en mode triple kill de Kamik parce que pour moi, il pouvait pas se cacher. Tu vois? Non, les trucs qui ont été rajoutés, c'est, tu vois, toute la partie basse du site C. Et oui, ça là. Et c'est quoi? C'est la box, je crois, qui est plus haut. Et qui est t'es plus sûr? Grand. Avant, c'était pas une ligne droite là, comme ça, tout droit? Non, vraiment pas. Il y avait vraiment une petite zone. Ok. Ah oui, c'est là qu'ils l'ont rajouté, par contre. Là, ça a été rajouté. Oui, voilà, c'était collé. Ouais, ok. Genre, ils ont vraiment rajouté beaucoup plus d'angles pour se cacher. Et c'est pas mal. Parce qu'avant, en fait, tu rentrais et tu regardais tout le temps au même endroit, tu vois. Genre, c'était évident. Mais bon, le timeout du coach JL. Après, encore une fois, on dort d'écho, mais on peut mettre des échos. Oh, quoi oui, que. Oui. Et ah, oui. Oulala, on. On se souvient de façon de ce qui s'est passé au dernier timeout du coach. Attends, j'ai l'impression qu'on veut force là. Après, on a un ulti Kamik. En vrai, ça peut vraiment changer la face du round, hein, Thomas. Mais il a pas de shield. Yass sans shield Guardian. Fait peur, non? Ici. Ok, on vient spray directement au début du round pour prendre de l'espace. Pas été touché. Ok, on vient prendre la formation. Attention, Roby, à pas être gourmand. Bon, le coach a parlé. Le coach a parlé. On va voir si jamais ça a été efficace. Mais oui, Kamik, c'est son 8ème ult de la game, frère. C'est réel. Après, tu m'étonnes, il a 28 kills, mon frère. Oh là là. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui, je vois ce que tu vois. Je vois ce que tu vois. Est-ce qu'il. Oh là là. Oh non, My Dream il le check pas. Pitié, ne le checkez pas. Oh, le boombot qui va pas nous faire plaisir. Ah. Allez, Magic. Oh, Magic, dommage, non, il arrivera pas. Attention, Yass avec sa Guardian sans shield. Yass avec le Guardian sans shield, il y a aussi Kamik. Hein. Il y a aussi Kamik, ils sont deux, non. Malheureusement, il pourra pas. Et ils vont reculer. Ils vont revenir sur Mikey. Mikey, il a pas bougé. Hein. Quoique, est-ce qu'ils vont pas aller en B? Mikey n'a pas bougé. Il est encore là, Mikey. Allez, Mikey, le vicieux. Ici. La vipère. Envole-toi. Attention, le drone, ça vient directement dézoner le pit. Oh, le turn. Quoi? Oh, le turn. Quoi? Allez, Mikey, on se défend. Mikey, on se laisse pas faire. Attends, il faut attendre. Il y a l'ulti. Il a réussi en catch-up 1, mais malheureusement à gauche. Mais Mikey! Il a trouvé le deuxième headshot, il récupère la fantôme, boum, le kill. Lâche pas, Mikey. Mais je relâche pas. Ok, si. 1v1. Mikey se fait push. Dommage! Oh là là. Bon. Très bon bonus. Enfin, semi-light bonus, bizarre un peu pour nous. Faut rester concentré. Il stream hack, frère, aussi. Ouais. Pourquoi il le check? Ah, ça joue vraiment à une. En fait, c'est trop une dinguerie de stream hack alors qu'on est à ce niveau de jeu, quoi, frère. Normalement, on fait pas ça.
Non les frères. Est-ce que si Mikey l'aurait on, ça serait passé? Je regarde là. Non, ça serait pas passé. Non. Si jamais, pour les petits noobies de mon cast, les gars, on rigole, ils se remake pas. De toute façon, il y a 3 minutes de délai. Les gars, il y a 3 minutes de délai, ils sont déjà au round de 20, on est au round 17 là, tu vois. Donc les gars, notre avis, nos infos n'ont aucune répercussion sur l'issue de la partie. Oh. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Oh Roby, dommage avec sa grosse odeur là. Ah, c'est dommage. Oh, mais non, mais oh là par là contre, là. Les temps de réaction, frère, c'est que ça me choque. Hein. Non, Mikey, il a du feu sur les mains là. Non, mais vraiment, les temps de réaction, frère. Je révèle la zone. C'est la line-up qui va arriver. Attention, l'ulti raise là pour désoder le site, mais y'a personne. Lu. Mikey l'a bien lu. Ouais, y'a personne. Ok, il a pas pris de dégâts, Mikey. Oh, j'ai eu peur. Pas de fuite possible. Ok, on est derrière, Yota, va falloir aller le chercher avec cette raise. On a l'info. Oh Magic. Attention Magic, un kill. Attention mais Yass il est là. Yass il est là, il va en prendre deux Yass, bien sûr que oui. Let's go. Bien sûr que oui, il va en prendre deux Yass, ils sont arrivés dans le dos. Impeccable, on va récupérer la Odin pour le bon vieux Roby. Allez GL les gars, spammez le chat, sortez les drapeaux, sortez votre maillot. Soyez au top de la forme les gars, devant ce match exceptionnel contre Akroma. Est-ce que t'as su un peu pour ce round Thomas? Est-ce que quoi? Est-ce que t'as su un petit peu pour ce round? Non. Pas pour celui-là. Celui-là je le savais. Oh Théma, t'es contre le mur. Allez attention, on a l'ulti sur Yass, Est-ce que Yass il a pas envie de double sa chelle là, Kamik? Oh là là, Yota qui nous sort une OP. Ouais, Kamik qui s'est fait cueillir là, avec son opérateur. Après l'OP en attaque, franchement c'est surprenant, tu vois aussi, on s'attend pas frère. Ah je sais pas. Je ne sais pas. Ok, on est bien avancé, on a de l'espace, faire attention à ce que ça ne soit pas punitif pour nous. Ouh là là. Oh là là. Ah, Roby, il est bien installé avec sa Odin. Allez, ok, Roby. On vient reveal. Oh, et là, faut faire très attention. Là, faut faire très attention parce que Roby, il est pas dans une bonne position. Aïe. Aïe, ouais. Ouais. Oh, Yass, il va réussir à retrouver le kill sur Onibi. 4v3. On a fait tomber le spike, je sais pas si on l'a vu le spike, je crois pas. Ils ont jeté cet opérateur et là on a. Où est Magic? Magic il est sur C, ok. Il va prendre le B. Attention Mikey. Spike posé. 4v3. Ok, ça me semble un petit peu dur. Sur le papier, ça me semble un petit peu dur quand même. À retake? Ouais. Oh là là, c'est tellement vicieux. Il a reçu de la smoke. Ok, la grenade directement dans le strass, c'est parfait. Ah oui. On se fait le spike pour la mettre la pression. Yass qui va casser l'ulti. Attention, Yass qui va. Non, il va pas prendre le kill. Et Mikey. On l'a désamorcé. C'est l'onzième round. Le clutch pour JL. Incroyable. Mikey, il a réussi à diffuse. Oh là là, la légende. Non mais Mikey quoi aussi, mention honorable, frère comme Kamik, incroyable sur ce round. Incroyable mais quoi sur ce round. Regarde. Déjà, il prend l'initiative d'or. Ah oui, en fait, je voyais pas le temps. Là, il maintient, boum, c'est défuse. Incroyable. Je sais pas ce qui se passe là côté Akroma Mentality, mais là, ce round-là, il fait très très mal. Hein. Non mais Mikey, il est trop vicieux. Non mais Mikey qui prend ses balls frère pour cross la smoke, qui prend directement le kill sur Ray, c'est magnifique ça. Ok attention, ils ont des armes, on a des armes, juste on a une guardian sur Magic, le spike qui va être planté en C, on a quoi pour aller chercher? On a l'ulti Sova en vrai, on a l'ulti Omen. Ok c'est planté pour Akroma, on va attendre Raze et Gecko là pour reprendre le CT. Est-ce qu'on a des flash omen? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Ouais, on a une flash omen, on a l'info CT.
Oh là là, oh la belle grenade, la belle grenade. Ça va me mettre à 3 HP, attention Kaïd, la double ligne, mais Valkyrie dans le dos qui va réussir à prendre un kill, Kanik aussi, sur Matelian. Attention, 4v3, Magic il est sur le site, il a une Guardian, c'est un petit peu compliqué, Onibi qui va réussir à la récupérer dans le dos. Attention, contact Onibi qui va prendre le kill sur Mikey également, 2v3, on va toucher le spike, attention, Kanik malheureusement qui rate un petit peu son spray, Roby à 5 HP qui ne pourra pas réussir à mettre ce round. C'est dommage. En fait, Kamik, on est tellement habitué à le voir toucher toutes ses balles, frère, sans exception, que là, il a raté un spray, ça m'a choqué, genre. Ah ouais, frérot, c'est dur d'être constant, mais vu après le... Regarde comment ça fait trop bizarre, hein, quand il le rate. Et comment ça fait bizarre? Ça m'a fait trop bizarre, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est toi qui as pris le contrôle, ou... Ah, désolé, okay. Thomas. Oh là 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 là, time out, job life. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit, le coach? Les joueurs, il y a une stratégie pour construire l'humour. Je tourne la page de mon Louvre. Ok. On va construire une attaque très 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 puissante. Il nous faut des bonnes fondations. Un tractopel. Non, c'est trop. Non, les Portugais, vraiment, je me désolidarise. Je parle sérieux, les Portugais, frère. Moi, je suis pas avec lui. Hein. Moi, je suis pas avec lui, ça. Et l'arme pour finir tout ça, la trouelle. Avec ça, les joueurs, impossible de perdre. Sous. La dernière fois, Loan il nous a dit ça serait bien qu'on fasse une compo avec Sage, avec Viper, avec Astra. Il a dit t'es sûr et tout, coach? Il a dit oui, t'inquiète. Wesh, tout est forcé, ils ont des murs. Ouais, Félix. Allez, attention, 8-11, c'est pas gagné encore. Il faut aller chercher ces deux points. La rivale qui va détruire directement, c'est... On en est quoi? Et Deadlock. Ok, super. Je vais chercher le dernier. En vrai, si on sait qu'il y a quelqu'un sur le C, ça nous met bien là. Grosse force à tous mes Portugais, vous savez, on est ensemble que LFN dans les Portugais. Tous les jours. Oh, moi c'est Victor, je suis Portugais, je parle pas arabe. On en est quoi? C'est-à-dire que sur le papier, le round il est pas pour nous. Mais. Mais. Ça se met les échos, on le sait. En fait là ils sont hésitants, ils savent pas s'ils vont laisser ou non là. Là ils vont voir Killjoy, ils vont dire ah ouais non, on va pas la jouer. T'as vu, il repart directement. Et ça et la Killjoy aussi elle repart directement en vrai, mine de rien. Ouais, ça fait complètement nos affaires, c'est ce qu'on veut. Franchement c'est ce qu'on veut parce qu'on est tous situés sur le A et on les attend de pied ferme. Oh allez, franchement sur la B l'écho frère. Mais tu vois c'est ça aussi le truc avec Lotus, en gros c'est le map où tu rotas énormément, tu vois. Vu qu'il y a 3 sites. Oh là là, et là ça va être dévastateur hein, si on arrive à mettre notre plan à exécution. Ça va toucher personne. Kami qui a été reveal. Il y a l'ulti de Matelian qui a été claqué. Roby qui va tomber. Magic aussi. Il y a ceci. Attention, okay, Mikey il est 1v3. Mikey il est 1v3. Il a récupéré le mandal. Ça sera trop compliqué pour Mikey. Il pourra pas 1v3. On en fait tomber deux, c'est pas mal. C'était la strat du coach. Mais le coach vraiment qui a très bien lu. Hein. Qui a très bien lu. En fait, l'ulti raise. Il fait mal. Il nous a fait peur et derrière, il nous joue bien en synchro, tu vois. Ouais, alors franchement, ils ont vraiment synchronisé tout leur décal. Là. C'était une écho, c'est pépère. On a encore l'ulti sur Roby. On est à une orbe de l'ulti sur Mikey, une orbe de l'ulti sur Kamik, frérot. Et là, on veut prendre le contrôle du Sen, là, directement avec la nade qui va partir pour Yas. Boum. Ouais, ils veulent pas nous laisser récupérer. C'est nous, putain, c'est vrai, c'est nous en défense. My bad. Attention, on a réussi à récupérer 2 kills, 3 kills. Yas, Kamik, 1v5, Killu. Ce kill sorti juste qui s'était sur la droite, c'est phénoménal. 1v5, qu'est-ce que tu vas faire, Killu? Il y a Killu qui est en mode. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton poison? Pourquoi je vous ai twerké dessus, les gars? Hein, la vipère, qu'est-ce qu'elle va faire, la vipère? Oh, Yas. Il a pris une sacrée tête qui lui. Après on a le spike hein. Franchement. Ah là c'est on l'attend de pied ferme hein. Triple ligne Thomas.
À part que Killu soit dans Matrix, mais là c'est très dur d'esquiver, je pense. Frenchement, c'est dur pour Killu, hein, Frenchement. T'en penses quoi, Wachi? Ah, Frenchement, là c'est. Ah, là, il prend mon Ricard là, Thomas. En vrai, il a de quoi acheter au round d'après, il peut le tenter. Hein. Frenchement, tu crois il va cross la fumigène là? J'ai l'impression qu'il a envie. Hein. Oh là 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 là, il va pas cross là, je crois. Oh là, il y a tellement de concerts qui lui passent sur la gueule. Oh oh oh, il est ligne, il est dans Matrix. Oh. Aïe, il est tombé, est-ce que ça va aller le twerker dessus? Ah, plus qu'un round les amis. Plus qu'un round. Voilà, c'est dur, je pense, côté Akroma. Mais ça fait nos affaires, Thomas. On est très très contents. Ils ont pas tant d'argent que ça, Akroma. Et je crois, si je dis pas de bêtises, si on gagne, on est premier, oh, on est premier tout seul. Ce qui nous permettrait du coup, pour ceux qui ne connaissent pas très bien... Ils ont fait combien de time-out à Chroma? Je peux en placer une, je peux? Oui, je suis désolé. Merci. Si on est premier ou deuxième, du coup, ça nous permettra de choisir notre adversaire pour le début des playoffs. Oh! Et tu sais... Ça fait... Ah non, c'est post-technique, ok, post-technique. T'as dit quoi? tu sais qui on va choisir? Franchement, je vais te dire vraiment, hein. Coach, il m'a dit on en a rien à foutre. Coach, il m'a dit on en a rien à foutre, toutes les équipes se valent. Ok, bah masterclass. Du coup, je pense qu'on va juste prendre une équipe random. Ah, tu penses la post-technique, c'est à cause de quoi, là? Non, je pense pas qu'on prenne Bandatori. Excuse-moi, Watcher, je te réponds après. Oui, en vrai, si je peux inciter le coach à ne pas prendre Bandatori pour qu'on les affronte potentiellement en finale... Ah mais non, ils sont premier et deuxième avec nous. On exéco avec eux, Bandatori. Donc du coup, ça voudrait dire que si jamais on gagne cette game-là, étant donné que Mandatory a gagné aussi, ça veut dire que nous, on va choisir un adversaire et eux aussi. Enfin, je sais pas, on verra à la fin de demain. Mais en gros, normalement, si on est premier, deuxième, Mandatory et nous, ça veut dire qu'on va pas s'affronter. Et ouais, ça pourrait être sympa, tu vois, une finale des playoffs Mandatory, JL. Ok, oui. Les gars, ça vaudrait très très bien cette game parce que c'est la dernière du split 1, si je dis pas de bêtises, hein. C'est ça, Thomas? C'est la dernière du split 1. Et les playoffs, ça sera dans deux semaines, je crois. Je crois qu'il y a encore une semaine de pause, donc le week-end prochain, il n'y aura pas de game. D'ailleurs, okay. Les joueurs vont venir en bootcamp. Les joueurs viennent en bootcamp la semaine prochaine. Mais non. Si, mon gars. Oi. Et la flash directement qui part pour la prise d'information sur le scène. On l'a. En plus, c'est bien parce que la flash, tu vois, on peut la récupérer. Ah ouais, c'est oh, trop attention, Roby qui est tombé. Ochiota, on a pas vu, Mikey avec son dos derrière. Non, y'a personne, lâche ça, Mikey. Oh là là, Mikey, la défense. On a l'ulti, hein. Pour l'instant, on les fait reculer, ben oui, on les fait reculer bien comme il faut. Attention, Yas. Bon, tranquillement. Oh. Oh putain, j'ai cru que c'était un mec de chez nous. On est pas gourmand, et là, il vous ouvre la door. Sortez-moi de là. Oh, Magic, il a une bonne pause. Oh, Camille, c'est un petit peu dur. Camille, c'est un petit peu dur. Il était bloqué contre le mur. Attention, 5v3. Ah, ils vont jouer le A. J'ai bien l'impression qu'ils vont jouer le A. Ils veulent quand même jouer le A, mais Yassi il est là. Il a grave à prendre le kill sur Matelian. Il était trop en train de bouger. Il y a le Lucid Viper qui a été claqué. C'est le leurre. Attention, Mikey qui va réussir à en prendre un. Et Mikey qui va tomber. Mikey qui va faire tomber la Viper. Et du coup, Mikey qui se retrouve en 1v3 sans l'ulti Viper. C'est possible. Ça peut se mettre. Mikey en 1v3. Elle a fait téléportation. Il fait remarquer qu'il est dans la smoke. Alors que non, il est pas dans la smoke, Magic. Non. Il est toujours dans le main. Allez, Magic, on croit en toi, mon pote. Oh, Magic, il va en prendre un. Oh, dommage, on prendra la smoke. Ok, déjà, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a de quoi acheter quand même au round d'après. Ok. Non, en écho, ça aurait été chiant, mais là, c'est pas le cas. Et ils claquent beaucoup de ressources, hein. Et ils mettent le round à Chroma. Chroma qui a beaucoup d'enjeux, hein. Chroma qui joue peut-être sa place en playoff, là. Donc c'est normal de les voir à 4000% comme ça. On le rappelle, hein, mais nous, voilà, on est qualifiés en playoff. Là, c'est un match qui nous fait plaisir. Ah voilà, on joue pour le beau jeu, quoi. C'est un match qui nous fait plaisir, on est content, tu vois. On avait cette victoire. On joue la game, on casse, on passe un bon moment ensemble entre ultra, tu vois. Mais par contre, pour Akroma, oulala. Allez les mecs, sortez les drapeaux, c'est le moment, encouragez Job Life. C'est ça qu'on veut, l'e-sport comme on l'aime. Et là directement, là, le round final, hein, pour nous, je vous le rappelle, en face il leur faut deux rounds pour pouvoir... Trois
3 rounds pour join la prolongation. Non, ah non, 2, bah non, 2, ouais, c'est vrai. Attention, oui, Yass, oh, Roby et Yass, ils vont réussir à prendre la kill sur Wattelian. Ils ont plus de duelistes. Ils sont en infériorité numérique là, c'est compliqué là. Ils côté ont plus d'entrée et regardez le site A comme il est miné. Regardez là sur la minimap en haut à gauche. Et en plus, ok, non, on a trouvé personne. Ok, on prend aucun risque, hein. On va retourner CT allez, en allez. Équipe. Ça peut être le dernier, ça peut être le dernier des amis, pour finir sur une bonne note, commencer les playoffs en confiance. On le rappelle, mais franchement, si on arrive à gagner des games contre Akroma qui sont en 4-2 comme nous, sans les compos playoffs, bah alors imaginez quand on sera, quand on y sera en playoff. Je suis super optimiste. Ok, l'ulti Camille qui va être claqué pour la 8ème fois de cette game, qui ne touchera personne malheureusement. C'est trop n'importe quoi. Attention la reveal, ouais, attention la reveal, ça c'est de la reveal qui reveal. Et finalement ça va revenir en A, mais sauf que les traps de Killjoy sont encore là. Mikey et Camille qui vont réussir à faire le kill 5v2. C'est complètement impossible sur le papier pour Akroma de réussir à mettre ce wound. C'est beaucoup trop compliqué, il reste que 10 secondes. Mesdames et messieurs, il en faut 4 pour planter Spike. Il en faut 4. Mesdames et messieurs, nous avons remporté cette game contre Akroma. Les amis, n'hésitez pas à interagir avec le hashtag JobLife pour cette victoire. Nous sommes en 5-2. Oh là 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 là. Premier split phénoménal. Aïe. Oh là là, GG Thomas. Les gars, on tient à vous rappeler, vous pouvez toujours acheter le maillot JobLife. Voilà, oh, le dernier là qui est sorti là, le maillot blanc. C'est quoi le site Thomas? C'est joblife.fr mon frère. Joblife.fr, ok, bah incroyable, bah, je crois que je vais commander mon nouveau maillot. Et là, ça, tu vois, il gagne contre tout le monde, c'est n'importe quoi. un bon 2-0 expéditif avant les playoffs, tu vois, celui-là, il fait vraiment du bien, on est vraiment content, frère. Ah, ça fait du bien, surtout qu'on est très bien préparé pour les playoffs, je pense. Ça fait 4 semaines là que. Ah merde, les mots, attends. Ah putain, attends. Oh là là, mais oui, mais attends, parce que je suis pas setup avec eux. Ah, mais ils sont tout le temps sur TS en fait, ces gens. Hugo interview. Voilà les gars, sortez vos meilleurs gifs avec le hashtag JobLive, vos meilleurs memes pour cette dernière game du split 1. Ça fait plaisir, vraiment c'est la fête. C'est la fête, franchement faut le dire, on est heureux. GG Akroma. Ok, c'est Camille, donc il me faut des mots en anglais. Ok, déjà Messi. Lionel Messi. Est-ce que tu penses qu'il peut dire versatile? Buenos Dias, on va le refaire. Buenos Dias, c'est facile. Attends, il me faut des mots genre. Tu sais, qui sont. Prononçable, hamburger. Hamburger, vas-y. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Non, il y a déjà Lionel Messi. Ouais, mais Ronaldo, Portugal, il doit mettre le mot Portugal. Non, j'ai mis Lionel Messi, Buenos Dias, hamburger. Déjà que je suis à la bourre, cousin. Vas-y. Ou Shard, Echard. Trop tard, frère, trop tard, The Beast, j'ai déjà dit trop tard. Oh là là, attends, laissez-moi ouvrir Twitter là, laissez-moi aller RT et like tous les tweets de JobLife. Les gars, le hashtag JobLife, les gars, faites-le sortir. Hop, je like le tweet de Kamik, je like le tweet de JobLife. Attends, je sors mon téléphone. Car c'est ma mission en tant que ultra. Mais Kamik est trop le roi. I told you about message, but he's muted. Ok, attends, putain, merde. Ok, bon je lui ai renvoyé aussi. J'espère que ça va être bon. Et voilà, mon petit tweet job là, ça fait plaisir les gars, ils n'étaient pas à faire d'eux-mêmes. Et voilà, boum. Quel buenos dias. Je crois, sors la ceinture. Mets une petite musique, vas-y, célèbre ma gueule, c'était la dernière game du split 1, poteau. T'es trop Gucci, sa grand-mère. Hey, je fais 2-3 par... Non, je rigole, pas le bon son. Mets-toi en full cam, fais la même pose que Randy Orton, je t'en supplie, mets-toi en full cam, mets-toi derrière, c'est tout ce que je demande.
Ah mon gars Wachi, quelle équipe on a cette année ça? Quelle équipe on a cette année mon frère Wachi? Poto direction VCT Inch'Allah hein. Attends, on en est loin encore, frère. On en est loin, viens déjà on gagne cette année frère. Parce que tu sais que juste si on gagne si on gagne la VRL, c'est un trophée hein. Tu sais qu'il y a un trophée pour gagner la VRL hein. Oh là là, le trophée, ma gueule. Si on pouvait juste avoir ne serait-ce qu'un trophée, frère. Et y'a pas un trophée pour les gagnants du split? y'a pas quelque chose? Bah, je crois que t'as un tweet, ça. C'est déjà pas mal. Non, mais regardez les stats. Regardez les stats de Kamik. 29-14, les gars. Et attends, Mikey. Si, y'a vraiment un trophée, attends. Mikey, 20-15, les gars. Ça parlait mal de lui la semaine dernière, hein? Hein? C'était qui? C'était Asala ou c'était Feitan? Je me rappelle plus. Même je l'ai DM pour le gronder. Hein? Ça faisait les malins! Merde, putain, mais. Hey, ils doivent grave s'entraîner à truquer la ceinture, cousin. Il y a un trophée Div 2, je crois qu'il n'y a pas de trophée. Mais évidemment que c'est Kamik. Non, mais Starfall là, 2.6. Tu te rends compte, 30 kills. Mais ma gueule, 30 kills. En gros, contre des joueurs professionnels. Ah oui, c'est ça, il est. Professionnel. Il est pas en solo queue? Un salaire. Genre, frère. Il joue Gecko, frère. Tu vois? Genre, il est en solo queue, il pique Reyna, il fait 29-14. Bon, vas-y, pourquoi pas? Tu vois, en radiant, je serais choqué, mais je me dirais, bon, frère. Mais il est fort. Sur Jet, ce mec, il fait combien de kills ça? 70? Ça me choquerait pas. Et genre, je vais même te dire, il peut jouer Jet, hein. Il peut jouer Jet, parce que on le rappelle, hein. Mais les gars, Kamik, c'est un joueur flex. Kamik peut jouer là où il veut. Kamik, c'est un sub chez Fnatic en fait, seulement. Enfin, c'est qu'un sub, attends. Hey. Kamik, c'est comme Mundo, il va où il veut, les gars. Masterclass la ref. Je vais où je veux. Mundo va où il veut. Non, c'est pas ça, mais putain, mes frères. Pour le beau jeu, c'était du beau Valorant, donc on aurait pu se régaler de ça. Mais JL avait. Allez, l'interview là. D'aller chercher le top. J'espère il l'a vu. Tranquillement et sans plus de détours. On va voir. Attends. Incroyable. Attends, interview. Déjà prêt. J'espère il a. Oh, qui accepte. Hello. Welcome to the French Broadcast. How are you? I'm good, feeling good. Okay, welcome and congratulations on your victory, first of all. Thank you. We have a few questions for you. First, you are one of the few to play Gecko quite a lot on the league. Is it a personal preference or is it a conviction of the effectiveness of the pick, really? I mean, the Gecko itself like, is, in my opinion, the strongest agent in the game right now. Okay. And it's preference as well, because I feel really comfortable playing it, you know? Okay, cool. Thank you for your response. Ita. Hello, Kamik. Congratulations for this huge victory. My question will be on Ascent. You guys started very, I think, badly because there was the 0-3. You tried the frostbite, but you didn't manage to win it. How did you, like, how is the voice when you guys go to 0-3 into 9-3 because you never lost a round during all the Ascent side. So how did you guys manage to change that with the voices and the calls? Like what happened? I mean, it was basically a timeout from Evo that we should remain calm, and that's basically it. And there was some sort of call to follow into the game, and we followed that, and it worked. So like for us, it's like pretty easy to stay calm even though we are losing 0-4, 0-5, 0-6, because I know that we are capable of coming back in from that score, you know? Yeah, even for us, it's pretty clear when we cast the game, we see that it's very calm, like no overreaction. Non, vraiment? For that, almost c'est bon, les motos, c'est bon. Huge performance from you. Non, Mikey. Thank you. Il a vraiment un micro de merde. I have a question, a personal question about you. So you're currently standing as the best player of our league. You're coming from VCT, from Fnatic, coming to the French league. And my question is about your feeling about the level, the global level of the league, both as teams and individually. I mean, I think French league is in top three, like hardest leagues, to be honest, in terms of like individual performance, because like the league itself is pretty stacked. Everyone can shoot, everyone can play together, and like there is like no bad team, you know? Okay, thank you for the answer. Il est trop... No other questions, froid. Guys? Mais oh, wesh, I'm good. Mais wesh, very well. What the fuck? Indeed. Lotus, boy, he just like destroyed the lobby, so I guess we're good.
So we're like, done here. The Lotus is because on the first map I forgot to change my settings so that I'm playing right now, and on the second map I just reminded myself. Did you actually turn the screen on the second map? That's the reason why. Oh, okay, we understand better now. Yeah, okay. Good job for this. Really, guys, you're really good now. I think you took the first place, like 100% now. I think you just validated the top seed. Oh, je vous spoil, il n'avait pas vu les messages. Bon, arrêtez, c'est bon, calmez-vous, c'est pas doser les mecs. We have some calculations to do, I think, to be sure. But surely you are in a good place anyway. Mandatory win tonight, but you did as well. So congratulations once again. Calculation will be done by tomorrow. So we will see if you are seed 1, 2, or 3. But anyway, GG again for the victory, Kamik. Thank you for taking some of the time for us. And have fun tonight. Bye bye. Thank you. Quand tu dis un fun, c'est parce que c'est très bien qu'il va se mettre à stand à Kamika ce soir. Un bon mot de fin. Vraiment, hein. Mais t'as compris ce qu'il a dit ou pas? Non, en vrai, je veux bien que tu me fasses un petit récap parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas compris. En gros, je te récap. Il a dit que la Ligue française est l'une des